Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Charlie. On doit dénoncer le trafic d'influence. On doit dénoncer une Camerounaise papa. J'ai dit bonjour à tout le monde. On dénonce. Vous ne faites peur à personne. Je dis que une Camerounaise pas se mettre à Mondo Vision. Elle dit à une autre Camerounaise qui est interdite au Cameroun. Tu es qui? Tu es qui? On va en parler aujourd'hui. Vous ne faites peur à personne. On interdit la Côte d'Ivoire à Barbeau. En partant, on ne savait pas qu'il allait rentrer. Quand il partait là, les gens étaient sûrs qu'il n'allait plus jamais revenir. Mais le Dieu l'a ramené dans son pays et il va s'asseoir à la présidence. Une gasse-mère qui t'interdit le Cameroun. Tu es qui, ma soeur? Pourquoi toi-même tu ne pars pas au Cameroun depuis? Tu étais une championne pour aller au Cameroun. Mais depuis un moment, tu ne go plus. Go au Cameroun, on voit. Tu as trop d'argent. Prends l'avion. Tu vas passer le 31 décembre au Cameroun. Ou alors tu vas au Cameroun le 1er janvier. Ou alors tu vas au Cameroun en mi-janvier. On voit. Pourquoi t'as mis le go plus au Cameroun? Vous serez surprise. Le Cameroun ne vous appartient pas. On va dénoncer ça. Hein, Reine Babou? Vous êtes qui? Vous voyez que tu es... Bonjour à tout le monde. J'aimerais vraiment que les blogueurs qui ont un nom qui porte dénoncent ce qu'on appelle le trafic d'influence. Tu as vu où tu amènes quelqu'un en justice, c'est toi qui rentres en prison. Vous avez vu ça avec Maman Malam, comment elle a amené mon petit frère Pifou. Elle s'est retrouvée elle-même en prison. Reine Barbou, tu m'as rien insulté comment? Bon, la fille a fait le même profil que toi. Une Camerounaise se lève, elle dit à Mondo Vision que je t'interdis le Cameroun. Qui vous a dit que porter plainte, c'est gagner le procès? Qui vous a dit que porter plainte, comme tu connais le juge, c'est ça que d'autres connaissent d'autres juges, d'autres connaissent même les gens qui ont amené le juge là à l'école, d'autres connaissent même ceux qui ont investi le juge là. Ma chérie, ne prends jamais le nom d'une autorité ou bien le poste d'une autorité pour influencer les autres. Ils sont pas là à l'école pour toi. Parce que même la licence que tu dis là, tu n'as pas. Tu fais les fautes d'un enfant du CE2. Tu fais les fautes d'un enfant du CE2. Tu n'as pas. C'est-à-dire que vous êtes des menteuses. Vous blasez les gens sur internet, vous mentez. Oh, tu portes mon sac, comme tu portes ton sac. Vous avez quelqu'un d'autre, tu portes le sac de quelqu'un d'autre. Ainsi est fait de la vie. Je mets ça, ma chérie Véronica. Le Cameroun est indivisible. Maman, on a monté la main grâce des cahiers qu'elle était à Kodengui. Elle est partie en visite aux gens à Neubel. Vous n'avez pas vu les mamans là-bas? Elles sont mortes. Pourquoi vous faites peur aux gens avec la prison? Si Dieu a dit que tu vas entrer en prison, tu vas sortir en héros. Tu entres, tu sors en héros. Moi, Réveille Vieille, je ne vais jamais avoir peur qu'une dame me dise qu'elle m'emmène en prison. Je veux dire que filmez-moi en entrant parce que je sortirai de là en héros. Maman, batte mal. Je mets Chantal là, ici. Batte, batte. Ça ne fait rien, même si ma voix est bizarre. C'est ma voix. Ceux qui ont les belles voix, vous faites quoi d'eux? Vous les insultez pas. Même si ma voix est bizarre, ma grande sœur qui est à Paris a la voix encore plus rock que moi. C'est notre charme. Quand j'appelle mon gars le matin, il dit bonjour, il dit j'aime ton rock. J'aime ton rock. Je fous quoi avec ton avis si ma voix est bizarre? Qu'est-ce que j'en ai à cirer si ma voix est bizarre? Wow! Vous ne faites pas vos mots là, changez de disque, non? Quand j'appelle mon gars, il dit allô, bonjour. Il dit j'aime ton rock. C'est mon charme. Ma voix, la voix de ma grande sœur est encore plus grave que la mienne. Moi, je m'en fous que ma voix soit bizarre ou pas. Je m'exprime. Qu'est-ce que ton avis peut bien me faire? J'en ai rien à foutre. Celles qui ont les voix fluides, vous faites quoi d'elles? Vous les encouragez? Vous les insultez pas? Le Cameroun est un indivisible. Maman, donne-moi ton téléphone, elle s'est en train de déranger. S'il te plaît. Merci, maman. Elle a suivi, elle m'a donné vite. C'est encore quoi le titre? C'est unité. On va changer les dons à Facebook. Vous avez compris qu'on n'a plus peur de vous. Vous avez compris que... D'abord, moi, je n'ai jamais eu peur de vous. En tout cas, hein, je bagarre avec les abeilles. Moi, je n'ai jamais eu peur de vous. Mais je vais montrer aux autres gens que n'ayez pas peur. Soyez ce que vous êtes. Imposez le respect. Je m'en fous de ton insulte. Que ça soit une insulte ou pas. C'est ma voix. C'est la voix que j'ai.
Mon père parlait un peu comme ça. Mes grandes sont des voix graves. C'est notre charme. C'est mon authenticité. C'est mon identité. Est-ce qu'elle peut trembler qui sait que ma voix est bizarre? J'ai une belle bouche, j'ai les beaux yeux. J'ai les beaux pieds. J'ai les lolos. J'ai la bosse. Ma bosse n'est pas artificielle, hein. Ma bosse est naturelle. Je m'en fous de savoir que ma voix soit bizarre. Le trafic d'influence ne passera pas au Cameroun. Je m'adresse à celle qui met les couches, les fausses fesses là. Elle parle les vidéos, elle tourne, elle montre que ses fesses. Tibitement, à placaler, elle est venue la bosse. Ma soeur, tu n'as pas les fesses. Tu n'as pas les fesses, tu n'as pas les seins, tu n'as rien. Mieux encore, c'est elle qui a les longs lolos. Parce que les lolos sont naturels. Tu n'as pas les fesses, tu n'as pas les seins, tu n'as rien. Ma, tu n'as rien. Tu es jalouse parce qu'elle parle tout le temps de la star. La star est mieux que toi à l'aller-retour. Tu portes le sac de la star et tu vas tout porter son sac. C'est tout. Tu es jalouse parce qu'elle s'est accrochée à la star. Maintenant, tu veux montrer que tu peux l'humilier. Maman, tu ne pourras pas. Maman, même moi, chanteur ici, unité. La maman chanteur ici, la diva. Je suis venue, c'est mon identité, ma. J'ai dit et je l'aurais dit. Oui, maman, c'est ça, ma chérie. Maman Chantal, c'est elle qui a pas de trafic d'influence. On s'en fout. Flo devait gérer ça avant Mouti. Moi, je parle pour ma soeur. Je ne connais pas Mouti. Fichez-moi le camp. Écoutez ça. Le juge là n'est pas là à l'école pour toi. Le juge là n'est pas là à l'école pour toi. Tu as compris? On a 250 et demi. On a 250 et demi parmi Power Melange. Le Cameroun est un indivisible. Je dis, hein, là maintenant, c'est une vraie écart qui te parle. Ce n'est pas une écart mélangée. La parole, si, ce que tu écoutes là, c'est une vraie écart qui te parle. Une écart 100% qui te parle. Ce n'est pas une écart mélangée. C'est une écart 100% ancêtre des ancêtres qui te dit que hein, le Cameroun est un indivisible, que tu ne fais peur à personne. Écoute. Mais quand les femmes d'un mètre 80 parlent, même toi tu viens parler. Écoute un peu la grande femme si, nos mannequins chantent là ici, 1 mètre 85. Elle n'est pas 1 mètre 50. C'est faux. Ratez les mensonges. Elle est 100% étant. Vous mentez. Le Cameroun ne vous appartient pas seul. Alors, il n'y a pas que les bêtises, il n'y a pas que les bamis. Faut tout. Oui, c'est tout, Véronica. Le Cameroun ne vous appartient pas seul. Il n'y a pas que les tontinats. Monsieur Sabina, j'assume. Il n'y a pas que vous. L'homme de l'heure. C'est tout. Tu as suivi. Ce sont les paroles d'une 100% écran. Elle n'est pas mélangée comme toi. Ce sont les paroles du 100% écart qui te dit que le trafic d'influence est fini. Tu auras honte. Parce que tu veux monter derrière Clarisse. Tu n'aimes pas Clarisse. Tu viens régler tes comptes avec Lolo. Tu n'aimes pas Clarisse. J'espère que tu vas la soutenir jusqu'au bout. Parce qu'on va te montrer que le Cameroun, le pouvoir, les relations sont comme les escaliers. Chacun à son niveau.
J'espère que tu vas là avec elle jusqu'au bout. Parce que moi-même, je vais m'impliquer. Et tu comprendras que les juges que tu appelles là ne sont pas là à l'école pour toi. Les juges que tu appelles ne sont pas là à l'école pour tes histoires de 5 à leçon. De on a dit que, tu as dit que, qu'elle va aller travailler. Toi-même, tu travailles où? Tu as rien montré à quel endroit tu travailles. Entre à ton lieu de service, tu nous montres où tu travailles. Avant de demander aux autres d'aller travailler. Tu n'aimes pas Clarisse. Ce que tu fais là, tu veux régler tes comptes et tu veux utiliser Clarisse. Clarisse est ma camarade. On a fait le même lycée. Clarisse est ma camarade. On a fait le même lycée. Et je lui envoie un message. Clarisse, j'ai vu dans un poste que tu as mis, que tu as payé le répétiteur à mon neveu. Jamais de la vie. Tu n'as jamais sorti 5 francs de ta poche pour payer les répétitions à qui que ce soit de ma famille. Ne m'énerve pas. Parce que si je mets ce que tu sais, tu auras les problèmes au sein de ta propre famille. Je t'avertis, Clarisse. J'ai toujours eu du respect pour toi. Je te dis que tu es ma camarade. Tu es ma camarade à Yaoundé. J'ai toujours eu du respect pour toi. N'invente pas des histoires sur moi. Attends, il voit qui m'a envoyé le message ici. Une idiote. Pardon, laisse-la là-bas. La belle, laisse-la là-bas. C'est une idiote. Laisse-moi les filles là. Elle peut te menacer. Elle est dans tous les inbox. La belle, elle est dans tous les inbox. Laisse-moi l'idiote. Elle ne peut rien te faire. Je vous ai dit que n'ayez pas peur sur Facebook. Ne provoquez pas. Mais quand quelqu'un te provoque, lève-toi. Comme une lionne. À la guerre comme à la guerre, Véronique Amas. Quand quelqu'un te provoque, lève-toi comme une lionne. La belle, toi qui viens de m'écrire là, ne gère pas celle-là. Elle ne peut rien te faire. Elle est dans tous les inbox. Moi-même, elle est entrée dans mon inbox. Je l'ai rasée. Je l'ai rasée. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Je n'ai pas la familiarité avec ce genre de personne. Je préfère rester avec une personne que d'avoir la familiarité avec ce genre de personne. Ne la gère pas. Ne la gère pas. Donc, je tente de dire à Clarisse que, Clarisse, tu as dit que mon petit frère vendait tes gélules. Lolo t'a appelé. Elle t'a dit que les gélules ne sortent plus et qu'elle ne peut pas gérer elle seule, l'Allemagne, la France, ceci, elle a aussi sa vie à gérer. Ce n'est pas facile de gérer tous ses clients. Est-ce qu'elle peut donner une partie? Clarisse, on a nos échanges. Je n'ai rien effacé. Je n'ai rien effacé. Même quand tu m'appelais sur certaines choses, j'enregistrais. C'est pourquoi tu enregistrais. Je le dis, oh, tu sais pourquoi? Parce que j'avais dit à ma soeur que je te connais. Tu avais acclenché avant sur Facebook. Elle ne te connaissait pas. Comme tu as fait la vidéo dans la voiture, avec les mèches et les lunettes, c'est la même image que je garde de toi dans ton premier clash sur Facebook. Ma soeur ne te connaissait pas, mais moi j'avais vu ton clash là. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que tu clashais Lorraine Meung dans la voiture avec les lunettes et la même coiffure. Je ne peux jamais oublier cette image. J'ai dit à ma soeur que mais tu parles de quelle Clarisse? Elle me dit Clarisse Yenga. Elle dit que mais je la connais. Elle a fait le même lycée que moi. Elle a clashé sur Facebook. Ma soeur me dit jamais. Elle m'a dit qu'elle ne connaît pas Facebook. Je dis à ma soeur, c'est pas possible. Clarisse, elle a clashé sur Facebook. Lolo me dit jamais de la vie. Ce n'est pas vrai. Je dis, waouh, tu aimes discuter. Voilà ce qui s'avère vrai. Tu as clashé sur Facebook. Toujours avec la voix mielleuse, mais très dangereuse. Tu sais de quoi je parle. Que si j'ouvre ma bouche, les écrans que tu dis que tu aimes trop là, ils vont se verser sur toi comme une lionne. Si j'ouvre, si je mets ses mains pleines, ils vont se verser sur toi. En commençant par ta tante. Mais je n'ai pas envie. Parce que l'éducation que notre directrice, que tu connais, ne me permet pas de le faire. Mais ne me pousse pas à bout. Parce que je parle à ma soeur que je laisse. Ne me pousse pas à bout. Tu dis que tu as payé la pension de mon neveu. Je ne te dois pas 5 francs. Je ne voulais pas envoyer l'argent deux coups pour faire deux frais de... On appelle ça quoi? Deux frais d'expédition. J'ai mis ton argent et j'ai ajouté pour mon neveu. Que donne-lui. Donne-lui. C'était mon argent. C'était pas ton argent. Je ne t'ai jamais demandé un service. Arrête de mentir. Tu viens au deuil. Clarisse et Yenga. Tu viens au deuil. C'est toi qui as causé à ma soeur. T'as dit que Clarisse, comme elle n'arrive pas à gérer partout, on t'a dit que c'est facile de se lever derrière la porte. Ma soeur donne les cellules à Wafouévan. Donne les gélules à toutes ces femmes, elles vendent. Donne-leur tes gélules, elles vendent. S'il te plaît, on n'en parle plus. Je ne te dois pas 5 francs.
C'est toi qui as dit à ma soeur que lui. J'ai vu que Lydia, si je mets play, je l'avais enregistré, j'assume. Si je parle des écrans, ce que tu as dit, tu vas fuir. Je t'avais à... Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je te connaissais. Tu avais à clasher une fois. Je suis très vive. Je suis très prudente. Tu avais à clasher une fois. Qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi tu es venu vers Lolo? Tu m'as expliqué ça pourquoi? Pourquoi tu les as fui? Maintenant, quand tu fais ton direct, la seule chose qui m'a interpellée, c'est quand tu as dit que Lolo t'a demandé que pourquoi tu ne donnes pas les gélules à tes soeurs et qu'en devant. Moi, j'ai la réponse que tu m'as donnée. J'ai la réponse que tu m'as donnée. J'ai une éducation, Clarisse. Je crois en Dieu. Je n'aime pas faire du mal. Sinon, tu allais fuir tes soeurs et quand. Ce que tu m'as dit, je me fais les gens qui crient comme moi, mais qui ne mentent pas. Mais toi là, les filles comme toi qui parlent, allô, oui, madame rêve. Oui, je dis, mais clairement, on ne dit pas madame rêve. C'est madame de 20 ans. D'un prénom, tu me dis non, je suis habituée, donc appelle-moi rêve. Non, madame rêve, tu parlais, j'appuyais, j'assume. Je te dis que Wafo ne fait pas ce direct parce qu'elle t'aime trop. Elle veut régler ses comptes. C'est parce qu'elle voit ma soeur toujours derrière la star. Et elle sera toujours derrière la star. Tu vas faire quoi? Wabordier, tu ne peux rien. Porter, puis je vais pas dire gagner le procès. Elle a signé un contrat avec Clarisse. Il y a toutes les épreuves, les écrits, du début jusqu'à la fin. Vendre comme ça, j'aurai tel nombre, tel montant. Quand tu me donnes ta marchandise, tout ce que tu me demandes, c'est de me remettre le montant que tu te remets le montant que tu m'as demandé. Le bénéfice que je fais en plus ou à la marge que je peux faire ne te regarde pas. Le bénéfice que je peux faire ou la marge que je peux faire ne te regarde pas. Clarisse, ou est-ce que tu es induit en erreur? Tu t'es confié à moi. Et tu le sais. Et j'avais dit à ma soeur que tu allais clasher. Que I know her. Ma soeur dit no. I said I know her. Je t'avais vu au clash. C'est pour ça que je t'ai enregistré. Et tu as encore fait un vocal. Tu aimes toutes tes soeurs et quand? Tu oses dire que tu appelles les répétitions à qui? À mon enfant adoptif? Ou bien à mon neveu? Mon enfant adoptif est ici en Bénin. Et c'est même pas mon enfant adoptif. Il est ici en Bénin en vacances de Noël. Allô? Ce n'est pas moi qui l'ai amené en Bénin. Je t'ai donné, je n'ai pas envie de faire deux frais d'expédition. S'il te plaît, voilà ton argent. Je vais rajouter, peut-être que c'était 25 000 pour mon neveu. Donne-lui. Parce qu'il aide souvent mon fils en anglais. Donne-lui 25 000 pour mon neveu. Parce que quand il appelle mon fils, il l'aide. Et je vous ai dit ça. Que si vous avez besoin de répétitions, comme ça coûte cher en Europe, contactez vos neveux. On a les Pythagore au Cameroun. Ils peuvent vous aider avec les enfants. C'est ce que mon neveu fait. Tu n'as jamais demandé un service. Maman, tu viens au deuil. Tu veux qu'elle finisse avec toi, tu me dis. Tu veux qu'elle finisse avec toi, Clarisse, dis-moi. Waf, on ne t'aime pas. Tu es venu salir Lolo? Ah, maman, Lolo, t'as vraiment signé ses mains ici là-dessus. C'est un bonbon. Tu veux dire salir Lolo? C'est quand tu vas aller chez Waf que quoi va faire? Comme on dit au pays. Quoi va faire? Vous voulez tuer Lolo parce qu'elle a décidé qu'elle a accroché à la star. Parce qu'elle a vu que la star a un bon cœur. J'ai tout dit à ma grande que c'est la star ou rien. Elle a compris que ma petite sœur avait raison. J'ai l'œil. Même quand au début, tout dit à ma grande que c'est la star ou rien. Je suis moi avec la star jusqu'à la vie finie. Tu as mal? Tu vas faire quoi, Lolo? Tu as qui? Tu es qui au Cameroun? Tu as... Va au Cameroun, on voit. Va au Cameroun, on voit. Toi-même, va au Cameroun, on voit. Je suis. Les filles sont les fatigues, les gens sur Facebook. Elles portent les gaines, elles coupent leur ventre, elles mettent les faux fesses, elles mettent les fausses fesses, elles mettent le tiens sang, jusqu'on ne voit plus les veines. Elles viennent fatiguer une jeune fille qui a ses Lolo bio, qui a son corps bio, qui a ses lèvres bio, qui a ses yeux bio. Vous pouvez pas dire la fille là. En parlant de Lolo un jour, en plein direct, vous allez porter votre malchance. Comme maman avait porté sa part. Vous allez porter votre malchance. Vous voulez quoi de la fille là? Même moi qui est sa petite, elle ne m'accroche pas à elle comme vous. Vous voulez quoi? Quel nom vous regarde? Vous mentez!
avant qu'un homme ait mangé vos os. Mangez, sucez vos os. Qui a peur de vous? Que pas au Cameroun, je te donne le défi. Ma, donne-moi le défi, n'est pas. Je n'ai pas peur de la prison. Je vais m'appeler les CIA TV. Que venez me filmer. Je suis en train d'entrer à Neubel. Mon président en train de n'est pas mort. Babou est en prison. On l'a amené à Congo. Tu connais Congo en Côte d'Ivoire? Tu connais Congo en Côte d'Ivoire? Un vieux père, depuis le 60 ans, on l'a porté, on l'a humilié, il n'est pas mort. Ne fatiguez pas les gens, l'humiliation n'est pas une malédiction. L'humiliation peut être une élévation de demain. Lisez vos bibles, ton humiliation peut être ton élévation de demain. Alors mettez à Kodengi, c'est peut-être la première dame qui va appeler que libérez-moi cette fille et qu'elle vienne nous rencontrer. Qu'est-ce que tu en sais? Je m'adresse à Wasso. C'est peut-être la première dame qui va dire que j'ai vu un truc qui m'a touché. Que libérez-moi cet enfant. Et demain, j'aimerais la rencontrer. N'ayez jamais peur de l'humiliation. N'ayez jamais peur de l'humiliation. Qu'on ne vous fasse pas peur. Les frères de Joseph, en vendant Joseph, ils ont cru qu'ils avaient fini avec lui. Ils ont cru qu'ils avaient fini avec Joseph. Wasso, tu ne fais peur à personne. Moi-même qui te parle là, je suis assise au pays. Hein. Oui! Moi qui te parle là, tu ne peux pas. You can't do it. Tu ne peux pas. Je te dis que tu ne peux pas. Tu as mal parce que la star t'a botté le cul. Que fout le camp. Maintenant, elle est là, elle ne te gère pas. Tu veux tuer tous ceux qui sont autour de la star. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tu veux finir avec tous ceux qui sont autour de la star. Elle est là, elle ne te veut plus. Go, va, elle ne te veut plus. Tu es parti porter les fausses fesses. Tu veux nous montrer que tu as les fesses. Tu n'as pas les fesses. Tu es à Placali. Les seins, tu n'as pas. Les fesses, tu n'as pas. Tu viens gêner quoi? Tu mets le filtre jusqu'à... Ce n'est plus bon. Yawafo. Machanto a dit que le Cameroun est indivisible. Tu dis que parmi Pawa, c'est un coulou. Bami Pawa jusqu'à demain. Bami Pawa est culturel. Je l'avais dit dans le direct de comment ça s'appelle? La Suisse. De la baronne, que Bami Pawa n'est pas tribal. Bami Pawa est culturel. Et ça restera culturel. Il n'y a pas de mal à dire que je suis Bami Pawa. Je le dis devant combien de personnes. Je suis Bami Pawa. Mais je suis sympathisante et Kampawa. Mais je suis d'abord Bami Pawa. Et je suis sympathisante des Kampawa. J'ai répété ça. J'ai répété. Non, tu sais qu'elle dit là-bas, quand tu as causé avec une fille, elle t'a un peu parlé de ses difficultés de vie, elle t'a dit comment ça t'a fait en train de l'aider, comment on vend ses produits, comment il y a des trucs que tu n'as pas envie d'aller loin. Mais c'est de quoi je parle. Clarisse sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Et qu'elle est venue se confier à moi, c'est quand on. Pardon, c'est quand l'affaire de Bami Pawa chauffait, elle est entrée dans mon inbox. C'est à ce moment-là. Donc, Wafo, le juge que tu as appelé hier dans ton direct, je vais l'envoyer chez un juge de citation directe. Ce juge n'est pas là à l'école pour toi. Quand tu étais en Inde, tu partais partout pour la Fémania. Lui était sur ses bancs. Il était sur les bancs en train de lire les lexiques de droit. Il était en train de lire. Il n'a pas sali sa réputation parce qu'il veut te faire plaisir. Il va lire le droit. OK? Il va lire le droit. Clarisse va porter plainte. Oui, ma maman. Va prendre une mèche. Va dire à Gloria, elle te donne. Va porter plainte. Qu'on ne te trompe pas, que tu dis que. Puis qu'elle t'aide jusqu'à la fin. Qu'elle ne te lâche pas en cours de route. Parce que nous, on ne te lâchera pas. Je connais un peu la mentalité, la moralité de ma soeur. En ce qui concerne la vie des gens, même moi, tu ne vas jamais te lever. Quelqu'un va te dire que rêve m'a escroqué. Ma chérie, on appelle ça l'éducation de base. Quand tu as vu tes parents faire, tu copies. Même si tu veux devenir bandite, tu auras quand même mal de certaines choses. Elle ne t'a jamais escroqué. Juliette a viré tes 54 000. Si c'était moi, tu as la tendre jusqu'à la poule aura les dents. Oui, tu as la tendre. Parce qu'après, on va salir. Je ne vais pas te payer la dette. Quand tu me contactais, tu as envoyé mon audio, l'audio que tu m'as envoyé à quelqu'un d'autre.
Je ne peux pas, tu peux m'envoyer l'audio de ma soeur, j'envoie à quelqu'un d'autre. Jamais. C'est toi qui as envoyé l'audio là. Père, tu étais prête. Tu étais prête à venir sur Facebook. Mais ce n'est pas la première fois que tu viens sur Facebook. Tu es inhabitué. Tu es inhabitué dans les clashs. Tu interviens. Tu as envoyé les gens vendre les gélules. C'est toi qui m'as demandé que effacer bien mon numéro. Parce que j'ai donné une exclusivité à ta soeur. C'est toi qui avais dit qu'on efface ton numéro. Et tu es au courant de ça. Pourquoi tu veux jouer à la sainte nutrice? Je vois faux. Wafo, c'est qui? Wafo, c'est qui? Une gaka, c'est une gachan qui a meublé sa maison avec le tcha-tcha. C'est une tchan qui a meublé sa maison avec le tcha-tcha. Maman, nous travaillons la soeur de notre front. Regardez-moi une dame qui vient dire en direct que le gars de la loi a dit qu'il doit payer, elle doit dorénavant payer le loyer. Mais c'est une grâce. Il y a tellement de gigolos en Benke, c'est un gars qui paye même le loyer. Les filles en colocation, elles sont mariées, mais dans leur tête, elles sont mariées, mais dans la vie réelle, elles vivent avec un colocataire. Parce qu'elles payent la moitié, ils payent la moitié. C'est le mariage là-bas. Tu vis avec un homme qui paye tout. Mais c'est une grâce. Tu n'aurais même pas dû dire ça en direct. Tu as plutôt élevé Lolo. Quand un homme dise que, comme tu vends déjà, paye maintenant le loyer. Donc avant, c'est lui qui payait. Il vous prouve qu'il est un homme avec grand H. Et tu as prouvé au monde entier que Stéphane Fodia, c'est un homme avec grand H qui se lève tous les matins, il va bouger son corps pour H et il paye la maison de sa femme. Il paye la location de sa femme. Tu as compris? Tu as prouvé au monde entier que Stéphane Fodia paye la location de son gars que vous avez tant humilié sur Facebook. Mais un homme paye sa location. Mais d'autres femmes qui se disent les plus belles femmes du monde, elles font moitié-moitié. Le courant est venu combien? L'électricité, 100 euros. Tu prends 5 ans, donc 5 ans. La location, 800. Tu payes 400, paye 400. Vous êtes en colocation? Vous êtes en colocation? Vous êtes en colocation? Répète avec moi. Je suis en colocation. Tu viens dire en plein direct. Et je te lève la main, je dis que, oh, anti. Mais c'est une grâce. Avec tous les gigolos de Mengsi, qu'un homme paye ton loyer plein pot. Il ne te demande pas 5 francs. Tu es venu élever Lolo? C'est une grâce. Tu me fais habiter seul que d'habiter avec un homme qui va me dire moitié, moitié sur tout. Mieux j'habite seul. Oh, ah. Je suis comme ça. J'ai du caractère. J'ai du caractère. Je me fais habiter seul que d'habiter avec un homme qui va me dire que loyer 50%. Strom, 50%. Lebensmittel, 50%. Gossenheim, 50%. Comment on appelle ça encore? Il y a encore quoi à payer? Fais-y chez Ungen, 50%. Je fais quoi avec ces individus? Vous faites quoi avec les individus pareils dans vos maisons? Un homme qui va dire que le loyer est 50-50. Électricité, 50-50. L'eau, 50-50. Assurance, 50-50. Nourriture. Vous êtes en mariage, ma. Vous êtes en mariage. Un homme qui dit que, ma, depuis je paie le loyer seul. Je paie l'électricité seul. Maintenant, hein, comme tu fais, dîner, comme tu as la handle de l'une, paie le loyer. Mais c'est un homme avec grand H. Mettez le cœur pour papa Fodia. Mettez le cœur pour un homme, un vrai homme. Quand elle parle comme ça, sa fille sourit. Ha! L'enfant de quelqu'un. Sa fille me guette et sourit. Ouais, Seigneur. L'enfant de quelqu'un. Ouais. Wafo est venu élever mon beau-frère en plein direct. Allez couper la partie là. Vous venez me donner. Mettez les cœurs pour papa Fodia. Il a dit que j'ai à payer. J'ai payé la cantine. J'ai payé l'électricité. J'ai payé ceci. Ton habit, ce n'est que pour ton corps. Ma, maintenant que tu as un peu, paye aussi. C'est un grand homme, maman. Wafo, c'est un grand homme. À Paris, là, ça n'existe pas. Mes soeurs sont en souffrance dans les maisons. Je me fais partie, je vis mon loyer seul. Je fais ma lumière seul. Je dors, j'écarte mes pieds. J'entre, je fais ma porte comme je veux. Moi, je suis une fille qui s'est aimée. Est-ce que j'ai de la haine? Mettez le cœur pour Fodia. Fodia Stéphane, le fils de Mamado. Il a fermé la bouche de tous les gigolos de Paris. Donc, c'est lui qui paie le loyer depuis seul. Ouais, faut nous apprendre quelque chose.
Allez couper la partie là. Je fous quoi avec un homme qui m'a dit que Strom 50. Never Smith 50. Vassa 50. Ferzi Sherungen 50. Je passe 50. Je fous quoi avec un homme comme ça. Je fous quoi. Moi je me raconte un homme que quand il dit que chérie j'ai à payer le loyer. J'ai dit que hein. Après il dit que bon maintenant s'il veut maintenant mettre quelque chose, je mets. Mais qu'il ait déjà payé le loyer. Je ne veux pas de nom qui me dit que le loyer, nous ne pouvons pas le loyer, nous sommes là le 30, bientôt le 31, n'oublie pas, nous sommes là le 29. Je n'ai pas besoin de ça. C'est tout, Anne. Envoyez les copains de l'Allemagne. Il a fermé la bouche de l'Igolo de Paris. Ouais, il faut témoigner en direct que c'est le père de l'Allemagne qui paye tout. Voilà la femme que vous avez insultée. Que l'homme Lolo, machin, un gars paye pour elle. Un gars paye pour elle. Il va travailler. Il se lève sous le froid de l'hiver, sous le soleil de l'été. Il va sous la pluie. Il va travailler pour payer. Voilà un vrai homme. Clarisse Erenga, l'anglais ne fait pas ton palabre. Elle ne fait pas ton palabre. Tu me mets sur ton poste, rêve bien et tu m'insultes. Je t'ai insulté parce que tu es ingrat. Je t'ai insulté parce que tu viens au deuil. Tu n'as jamais payé la pension ou bien les répétitions de quelque chose dans ta poche. J'ai les preuves à mon téléphone. J'ai les preuves. Tu n'as jamais fait. Donc arrête de mentir. Lolo t'a aidé. Avant Lolo, tu vendais tes gelules sous forme de thé. On mettait dans l'eau. Les gens n'arrivaient pas à boire. Ils ont dit que c'est dur. Que les... Ethan, les gens disaient que les racines là, ça brûle la gorge. Je me rappelle comme c'était hier. Et Mélie t'ont proposé de faire ça en gelule. Et les gens se payaient. Palpitations, oh, la gorge brûle, oh, oh, ça me donne l'appétit. Oh. Il fallait qu'on flatte. On flatte les clients. L'autre a dit que Clarisse, je ne peux pas gérer tout ça. Mais je vais envoyer une partie à ma petite soeur. Elle m'a envoyé une partie. Ça ne sortait plus. On t'a dit que Clarisse, les gens ne commandent plus. On fait un acheté, un offert. Qui n'a pas eu un acheté, un offert ici? Tous ceux qui ont acheté, ont eu un acheté, un offert. On n'a pas menti. C'est ça la politique commerciale. Quand la clientèle baisse, tu optes pour une autre technique d'attirance ou bien de maintenance de tes clients. C'est la même chose. Même Lidl fait ça. Un acheté, un offert. Tu n'es pas la première, madame. C'est une politique commerciale connue de tous. Tu étais d'accord. Tu me l'as dit. J'ai les audios, madame. On a dit que ça ne chauffe plus. Parce qu'il y avait trop de gelules sur Internet. Et dès demain, je fais la pub des autres gelules. Ça ne chauffe pas. On a d'abord commencé par deux, un acheté, un offert. Mais moi, en Allemagne, elle m'avait dit que tu fais un acheté, un offert. Toi, tu as fait deux achetés, deux offerts. Et les gens ont eu ça. Ils avaient quatre dans leur paquet. Ils avaient quatre. Elle n'a pas dit deux pour garder les deux, les revendre. C'est faux. Dis la vérité à Wafo, Clarisse. Dis la vérité à Wafo. Ne la mets pas devant le juge pour faire honte au juge. Parce qu'il va lire le droit. Il ne va pas lire les beaux yeux de Wafo. Il va lire le droit. Il va lire le droit. Et il va appliquer le droit. Tu as dit que vend à tel montant. C'est la même chose que tu m'as dit dans le duo. Que j'ai. Maintenant, si maintenant tu me vends à tel montant, maintenant je suis libre de vendre comme je veux. Parce qu'il y a les cris avec les clients, il y a les mésententes, les incompréhensions, les retards de livraison, les livraisons non conformes. Mais Clarisse, tu as fait G, non? Tu as fait G comme moi. Mais pourquoi tu veux embrouiller le monde? Tu sais très bien les intempéries qui peuvent se passer dans la vente. En ligne en plus. Les difficultés qu'on rencontre dans une vente en ligne, madame. C'est elle qui m'a proposé. Voilà. Tu peux avoir un produit à un client, elle reçoit et elle dit qu'elle n'a pas reçu. C'est toi-même qui m'as dit, je dis que me Clarisse, la fille m'a appelé, qu'elle n'a pas reçu. Je dis que non, rêve. Madame, rêve, envoie l'autre. Je dis que jamais, Clarisse. Je n'envoie pas. Tu dis au deuil. J'ai les audios. Tu me dis qu'envoie, que non, que je n'envoie pas, comment est-ce qu'elle n'a pas reçu? Il y a quand même un numéro de suivi. Je ne suis pas bête, Clarisse.
Comment tu me demandes de renvoyer l'autre? J'insiste à la dame que madame, le numéro de suivi me montre que vous avez bien reçu le colis. Ça ne marche pas avec moi. Je ne vous renvoie pas un autre colis. Et maintenant, la personne me rappelle que, hey, finalement, j'ai eu. Et je te renvoie l'audio. Je dis, Clarisse, finalement, elle a eu. C'est ça que ça s'est passé avec nous. Tout était limpide, avec traçabilité. Pourquoi tu peux me mentir à Wafo? Wafo ne peut pas t'aider jusqu'au bout. Elle ne pourra pas. Elle veut régler ses comptes avec Lolo parce que Lolo avait la star. C'est tout. Tu avais réglé ses comptes. Maintenant, hein, mon mur, ce sera seulement la star. La star, jusqu'à ce n'est plus bon. Pourquoi tu es jalouse? Va apprendre à chanter. Tu es même tourner les rênes, tu ne peux pas. Tu es comme le Makanjo, le Bifaga. Sec comme tout. Danser même. Depuis que tu as mis les trucs, l'offre, on ne respire plus. Chaque temps vidéo. Chaque temps. Seigneur Jésus. Facebook. Oh God. C'est la fin d'année, pardon. Chaque temps, vidéo. Les filles, pardon, essayez de résoudre ce problème. Nama, c'est ça, ma chérie. Raïssa. Raïssa. On ne respire plus chaque temps. Dès que comment la vidéo sur le derrière qu'on voit. Elle tourne comme ça. Elle est dure comme le Makanjo. Qui est le Makanjo? Elle tourne. La star tourne les règles. Ça se retient que yes. Macho a pu à tourner les règles. Elle tourne, ça ne donne pas. Elle fait, ça ne donne pas. Depuis qu'elle a mis le derrière, on ne respire pas. Maman. On ne respire pas avec elle. Moins de choses nous montrent le derrière. Ma, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle, même un peu. Tu n'es pas belle, pas te mentir, c'est la vérité. Vous voulez tuer Lolo. C'est elle qui a la bouche bio. C'est elle qui a les yeux bio. C'est elle qui a les seins bio. C'est elle qui a les fesses bio. Elle n'a rien de fait sur elle. Vous voulez la tuer, pourquoi? Lolo, sois radical. Sois radical. Comme hier, là, tu as été radical. J'aime le genre là. Sois radical. Ouais, maman, fais non à la porte. Trop de familiarité à le mépris. Quelqu'un sort sur toi. Tu sors sur la personne, Lolo. Sors sur eux. Ils ont pris l'habitude que tu es devenu votre holocauste. Je vais te débloquer, maman. Ah, je te débloque tout à l'heure. Lolo est devenu l'holocauste. Je vois les vieilles femmes là. Ah, Seigneur, pardonne-moi, je n'aime pas dire le mot là. Aïe, je vous demande pardon. Moi, mais j'ai envie d'atteindre votre âge. Vous vous levez partout. Vous sortez le direct, Lolo rembourse. Elle ne rembourse rien, c'était moi. Hein, parce que vous avez vu, elle était à 2000 et poussière. C'est ça qui veut vous tuer. Vous voulez finir avec elle. Vous ne voulez plus la voir sur le net. Elle va que rester là. Je tape du poing. Elle va rester là. Vous voulez finir. Quand vous la voyez en ligne, vous voulez la finir. Dès que vous finissez d'insulter, vous revenez encore là. Lolo, tous ceux qui t'ont insulté sur l'affaire de Trissi. Je vais aller moi-même sur son téléphone. Je les bloque. Toutes les femmes qui t'ont insulté sur l'affaire de Clarisse, je vais les bloquer sur toutes tes pages. Elles ne te servent à rien. Elles ont montré qu'elles ne t'aiment pas. Elles ne t'aimeront jamais. Lolo, balle à vie. Les légendes allemandes sont leurs thèmes. Les gilets zombies sont leurs thèmes. Comment ils s'appellent encore? Je cite les noms ici, là. Les domaines véroniques sont leurs thèmes. Les qui encore? Les accords ouverts eux-mêmes t'aiment. Les Jenny Junior t'aiment. Hein? Nadège Mbappa t'aime. Coco Kouetou t'aime. Il y a encore qui là? Hein? Les Véronique Amas t'aiment jusqu'à c'est un plus bon. Les Evry Ruina. Non, Evry Ruina c'est une autre. Elle ne sait pas où elle est. Elle tourne. Les Lilinguet t'aiment, ce n'est même plus bon. Tu cherches quoi d'elle? Les jalouses là. Hein? Les Anne de Tounyamsi, elles t'aiment jusqu'à ce n'est plus bon. Je vais barrer les femmes là. Les Warriors t'aiment. Ma soeur Oshiga, elle t'aime moi non plus. Oshiga t'aime moi non plus. Oshiga t'aime aujourd'hui, elle t'insulte demain. Qui aime bien châtie bien. Oshiga, comme vous voyez là,
Elle me montre cette classe jusqu'à... Mais on a le même jour on a arrangé. C'est comme ça les grandes personnes. Vous voulez quoi derrière Lolo? On va vous répondre, on n'a pas peur de vous. Nous on est là, on va vous répondre. C'était avant. Et on va pousser Lolo à vous. Vous avez vu? Remarquez bien, Lolo commence à vous répondre. Elle va vous répondre. Je suis derrière, je mets le feu. Allez dire que c'est sa soeur là, c'est moi. Les gilets zombies t'aiment. Les Black Beauty t'aiment. Les Marama Moussa t'aiment jusqu'à... Oh, tout le... Voilà, voilà, voilà nos soeurs de Cribienne. Voilà nos soeurs Cribienne. Les étoiles Cribienne t'aiment. Les reines Mère Bio t'aiment. Tu sais, je crois que les sorciers qui veulent seulement te voir tomber. Ouh, tantôt je t'aime. Le chaud et le froid, on n'a pas besoin de votre amour. Partez avec. Je vous bloque vous tous. Lisez la main, t'aime jusqu'à, ce n'est plus bon. Elle t'a montré par A plus B que tata Lolo, je t'aime. Elle n'est pas passée par quatre chemins. Elle t'a montré son amour. Les femmes là, je vais les bloquer, moi, je vais me charger. Vous allez me citer inbox. Toutes mes femmes qui ont parlé de Lolo, on va les bloquer. Vous n'allez plus jamais voir cœur ouvert. Vous allez venir à faux profil. Parce que votre place, c'est à la fenêtre. Notre porte est ouverte aux femmes dignes. Aux femmes qui ne sont pas jalouses, aux femmes qui aiment voir leur soeur être élevée. Votre porte, votre place, c'est à la fenêtre. On va vous mettre toutes à la fenêtre. C'est moi qui gère la part, je dis ça. Je vais vous bloquer. Elle a tes fesses. Elle est venue vous dire ce qu'elle a. Elle a ce que son père a laissé. Où est ta part? Allez construire les immeubles. Je vous ai dit que quand avant que ma mère ne meure, quand ma soeur voulait envoyer quelque chose au pays, j'étais 7 voitures en un coup. Si vous voulez, j'appelle mon frère, il vous sort les papiers de douane. Elle envoyait 7 voitures en un coup. La mort de ma mère a compris qu'on s'en fout. Elle n'a en concurrence avec personne. Vous construisez les immeubles, vous êtes tout derrière son cul. Vous construisez les immeubles. Vous avez les immeubles. Vous avez les sacs Prada, les sacs Chanel. Vous avez tout. Vous foutez quoi d'une fille qui n'a rien? Elle vous tape aller-retour. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous cherchez quoi? Même si, moi, hein, je me fais voir ma soeur assise là-bas. Même si elle fait n'importe quoi. Mais que je la vois quelque part. Avant que vous la tuiez, on aura mangé vos os. Sucez la moelle épinière. Et jetez le reste au chien. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Gilets zombies envoyé les 54 000 francs là. Clarifie pas ton argent. Va donner ça aux avocats. Parce que lui a rudi. Voilà Naomi Julio qui t'aime. Quitte-moi derrière les sorcières qui ne veulent pas ton évolution. Elles sont des tribalistes. Elles ont mal. Parce que c'est une fille bagantée qui est au top. Mais on n'est pas une tribaliste. Elle élève toute la culture. Bami Power. Elle a créé Bami Power. Et alors? Papa Zomloa a écrit un camp immeuble. Il n'a pas demandé que tu ailles te plaindre. Il n'aime pas le plonichard. Le papa Zomloa n'aime pas les pleunichards comme toi. Il aime les bosseuses. Va mettre ton immeuble à Yaoundé. Tu écris là, Wafo immeuble et Kampawa. Personne ne va se fâcher. Va mettre ton immeuble en paix à Yaoundé. Tu écris Wafo immeuble et Kampawa. Personne ne va se plaindre. Elle a créé Bami Power. Et alors, la première dame a fermé votre bouche. Elle a porté le top. C'est un message. C'est pas tous les messages qu'on passe avec l'oral, même la gestuelle, l'habillement, ton vestimentaire, te passe un message. C'est pour ça quand il y a deuil, on porte souvent le noir, on porte le blanc, ça se passe, c'est un message que vous passez, que fermez-moi vos gueules de fée woman. Fermez vos gueules. Je ne connais pas la différence entre Bami, Est et Kang. C'est tous le Cameroun reste uni. Elle a, on était nous ici là en unité. On était unis. Elle est venue avec Kampawa. Ah bon? Elle est venue avec Bami Power. Ah bon? Ah bon? C'est quand tu vas dire ça que ça va faire quoi? Je vais mettre sur mon profil Bami Power. Ça ne va pas chauffer. Aucune autorité camerounaise ne m'a empêché de le faire. Je suis Bami Power. Je suis sympathisante à Ekan Power. Je suis sympathisante à Bassa Power. Je peux mettre Bassa Power et laisser mon ennemi. C'est être hypocrite. Je ne peux pas être Bassa Power et laisser mon ethnie. C'est être hypocrite. Allô? Tu sais quoi derrière Lolo? Tu protèges de mon sac. Tu as quel sac? Tu n'es pas de sac. Et Malé Kaïta va dire quoi? Chacun à son niveau.
Comme tu me dépasses, on a ta tête. On sait qu'Emmanuel Keita te dépasse. Comme tu as tes vues. On sait qu'Emmanuel Keita a le double de tes vues. Emma Loès, chacun dépasse à son niveau. Pas les biens éphémères. Mais devant mon Dieu, tu sais ce que tu me dépasses? Nine. Le mari de la fille mère de la première était Bandenkop. C'est ça, non? La première, sa maman était même mère. Elle était même mère là-bas. Elle a créé Bami Power. Et alors, Lolo parle de Bami Power. Il dit qu'elle ne t'influence pas. Vous n'aimez pas Lolo. Vous êtes des tribalistes refoulés. Parce que quand vous ont chassé, qu'elle est avec. Quand on invitait Lolo à la présence, elle ne t'avait pas vu. Vous avez failli mourir pour ça. Pour une pauvresse au Cameroun. Lolo ne peut pas lui porter plainte. Lolo ne peut pas lui porter plainte. Lolo qu'elle connaît là. Vous avez vu Lolo porter plainte. Lolo qu'elle connaît là. Elle dit qu'elle est interdite au Cameroun. Tu es qui? Même le président de la République n'a jamais dit ouvertement un Camerounais qui est interdit le pays. Mais les illettrés nous fatiguent avec la toile. Elle dit qu'elle a la licence. Ben, elle fait les fautes d'un élève du CE2. Vous mentez les gens comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous portez? Maman, dis-nous une fois que tu as abandonné quelque part. Va là-haut faire la paix dans ta famille. Va faire la paix dans ta famille. Va faire la paix dans ta famille. Avant de venir vouloir unir les Camerounais, commence dans ta famille. Elle a donné les trucs à sa petite soeur. Elle a donné ceci à sa petite soeur, à son petit frère, machin, machin. Clarisse, l'autre a dit que quand elle commande ici, les frais d'envoi en Allemagne coûtent plus cher. Pour régler ce problème, pour éviter de facturer les frais d'envoi élevés aux clients, je vais donner une partie à ma petite soeur. Tu étais d'accord. Je vendais, je te rendais compte. Je te rendais compte. Ça ne sortait plus. Parce que quand quelqu'un achetait, ne revenait plus. Quelqu'un achetait, ne revenait plus. Les gens ont acheté tes gélules par amour pour Lolo, par affection pour Lolo. C'est pour ça que les gens utilisent des stars pour vendre leurs produits. Ils se cachent derrière la star pour vendre leurs produits. C'est parce que c'est trop bien. On dit, bon, pour l'encourager, j'achète. Clarisse, va donner à Stella, elle vend. Clarisse, va donner aux gens qui te supportent les vendeurs. Moi, j'ai pas peur d'aller en prison, hein. Si elle va en prison, ma soeur va garder mes enfants. Michel va garder mes enfants. Le père d'abord est au ping assis. Donc, ne tremble même pas pour ça. Ne menacez plus les gens. Le président Barbois a dit que n'ayez pas peur de l'humiliation. C'est ma référence là-bas. Le président Barbois a dit que n'ayez jamais peur de l'humiliation. On m'a dit que quitte le bon cœur. J'ai dit que je ne quitte pas le bon cœur. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Je ne bouge pas d'ici. Monsieur le Président, on vous offre l'asile. Venez, il dit que je ne pars pas. Mais vous serez humilié devant le monde entier. Il dit, c'est pas grave. Je passerai de cette humiliation pour vivre mon élévation. Oh, Barbeau, inspirez-vous. Je passerai de cette humiliation pour vivre mon élévation. Les plus chanceux sortiront de la foule. Les plus chanceux sortiront de la foule. Les malchanceux seront dans un cercueil. On a tous vu dans le cercueil. On a vu dans le cercueil. Babou est debout. Il est à Côte d'Ivoire. On dit que monsieur le président, toutes les caméras du monde entier seront braquées sur vous en pleine humiliation. Il a dit que rien ne fait. Rien ne fait. On l'a mené à Kogo. Au fond, tandis que quand vous voyez Marwa au Cameroun, on continue encore dans un village loin en Marwa. Vous imaginez, on est parti le jeter là-bas à Korogo. Il est resté serein. Il est resté serein. On insultait partout. Les télévisions françaises insultaient les mots. On le crachait sur lui. Il est resté serein. Il a subi l'humiliation. Le jour qu'il a mis son pied à lui en Côte d'Ivoire, vous avez vu le monde. Vous avez vu le monde. Maman, faites ça aux gens qui n'ont pas le moral, qui n'ont pas la tête sur les épaules. Tu ne l'as jamais fait peur à ma soeur, parce qu'elle va aller en prison. Elle va aller peut-être en prison, comme tu dis. Mais en allant en prison, quand elle sortira, on ne parlera, peut-être on ne parlera même plus de toi.
Tu ne sais pas de quoi demain fait. Arrête de taper la table. On ne tape pas le poing. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Aucune femme ne me blase. Oh, nous ne sommes rien sur cette terre. Voilà le gars ivoirien là qui est mort. Le styliste ivoirien. Parce qu'il a défié Dieu. Arrêtez de défier les gens. Nous ne sommes rien. Il a défié Dieu en jouant. En décembre, le 24 décembre, il est mort. AVC. Boum, boum. Fini. Finito. En parlant de ma soeur, je dis que vous qui créez les faux profils, vos doigts vont se paralyser. Parce que moi, je n'ai pas le. Elle m'a envoyé une demande. Vous avez fermé Loulou, ouvrez. Vous voulez tuer Lolo parce qu'elle avait la star. Vous voulez tuer Lolo parce qu'elle avait la star. Elle va seulement rester avec la star. Elle va seulement rester avec la star. Elle n'a pas escroqué Clarisse. Et Clarisse, dans son fond intérieur, le sait très bien. Elle sait que ça n'a pas été facile pour vendre ses gélules. Les clients se plaignaient qu'il n'y a pas le nombre exact dans le paquet. Et tu vas te mettre au défi. On va prendre les 4 paquets qu'ils ont chez l'autre. On compte devant vous. C'était incomplet. C'était incomplet. Tous les clients m'appelaient que rêve, mais ce n'est pas 120 gélules. Quand je compte, ce n'est pas 120 gélules. Je dis, il y a toujours une erreur de fabrication. Bah, s'il te plaît, laisse. C'est toi qui m'appelais même que rêve compte la moitié, tu leur donnes. Je dis, mais quand tu as une bonne technique commerciale, hein, tu as une bonne stratégie. Pour que le client revienne, donne-lui la moitié, comme s'il reviendra. C'est toi qui me le disais. Maintenant, tu peux pas dire à Wafoko, sa petite soeur ne me doit rien. Je ne te dois rien. Même les répétitions, tu n'as jamais payé de ta poche. Le neveu que tu parles là, ma chérie, il n'a pas besoin de ton argent. Je n'ai jamais envoyé le même neveu chez une amie prendre de l'argent. Ni Nolo, ni moi. Quand ils appellent en aide, même avant-hier, Michel et moi, on lui envoyait de l'argent. Michel et moi, on lui envoyait de l'argent. Tu es menteuse. Tu es menteuse, Clarisse. Tu es au deuil. Tu as pris l'audio que tu m'as envoyé. Tu as envoyé à quelqu'un. Tu avais fait le direct. Je n'ai envoyé l'audio à personne. Dieu m'en est témoin. Tu as envoyé à quelqu'un. Pour faire croire à ma soeur que c'est moi qui ai envoyé. Quand elle veut dire un truc à ma soeur, passe par le 4 chemin. Je l'appelle, je lui tape ça sec. Je continue ma route. Tu es une manipulatrice. Va au tribunal. Comme tu as dit, on attend. Donc, si vous êtes qui pour interdire le Cameroun aux gens? Vous êtes qui? La star ne vous gère plus. Quittez derrière sa vie. Quittez derrière son entourage. Elle ne vous gère plus. Quittez derrière sa vie. Laissez-la tranquille. Tous ceux qui supportent la star, tu tires sur eux. Elle ne veut plus de ton amitié. Elle a voulu te donner un nom, tu n'as pas voulu. Quitte derrière elle, va régler tes problèmes de famille. Va régler tes problèmes de famille. Tu laisses les gens tranquilles. Hein? Ces petits fesses comme le nez de la mouche. Ouais, Facebook. Oui, maman. Ces petits fesses. On ne respire plus. Moins de choses, elle tourne. Moins de choses, elle tourne. Moins de choses. Maman, je me fais aller en prison. Je me fais aller en prison. Mais au nom de Jésus, personne n'ira en prison. Ça va retourner contre vous. Parce que Clarisse sait au fond d'elle que l'on ne l'a pas escroqué. Elle sait au fond d'elle qu'elle avait dit deux achetés, deux vendus. Même jusque-là, les gens ne prenaient plus. Les gens ne prenaient plus. Oui, maman. Même jusqu'à les gens ne prenaient plus. Bonjour la plupart des influenceuses. Elles ont Nicole Touna, bonjour. Elles ont lancé le direct partout pour tomber sur le lot. Elles ont souvent le tête dans leur tête. C'est Bambi Power. Qui vous a dit que l'homme bamiléqué n'a pas le droit de s'exprimer? Qui vous a dit que l'homme bamiléqué n'a pas le droit de parler? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quand tu lèves la tête, on dit Bami Power. Tu tournes la tête, Bami Power. Bami Power. Oh, ah. Merde. On en a marre.
On en a marre un moment. On voudrait que les juges là soient là à l'école pour vos histoires à dormir debout. Ces juges là sont là à l'école pour vos histoires. Ne venez pas salir leur réputation. On a trop de respect pour nos juges. Ils ont fait des longues études. C'est mal retenir les articles de droit. Ce n'est pas chose facile. Va à l'école. Va t'asseoir sur les bancs là-bas. Va t'asseoir sur les bancs. Et tu ne fatigues pas les gens. Va t'asseoir sur les bancs à l'université. Tu peux être juge au Cameroun. Tu nous refermes, nous tous. Mais ne compte pas sur un juge pour venir dire ça. Clarisse a un contrat avec Lolo. L'exclusivité en Europe. L'Allemagne est dans l'Europe. C'est elle qui a dit qu'on efface son numéro. C'est elle. Et les preuves sont écrites. Tu as quel problème? C'est pas parmi Power, c'est la jalousie. Lolo n'est pas belle. Elle a les longs Lolo. Elle a ceci. Elle ne s'habille pas. Elle n'a pas construit. Elle n'a rien au pays. Mais vous foutez quoi derrière son cul, dis donc? Vous avez tous les immeubles du monde. Vous avez tout. Mais sautez-lui la paix une fois pour toutes. Mais vous croyez que Sarkozy s'occupe de rien, donc? Mais marchez les gens de votre niveau. Même mon baba ne marche pas avec Trump. Trump a dit à Obama que tu n'es pas à mon niveau, man. Je suis au niveau des milliardaires. Même Obama et Trump ne marchent pas ensemble. Mais marchez à votre catégorie, foutez-nous la paix, dis donc. Fichez la paix aux pauvres. Vous êtes trop riches. Marchez avec les riches. Vous foutez quoi derrière notre cul? La famille vient et vous dit quoi? Vous voulez quoi? Mais parlez de vos parents, purée. Parlez de vos parents. Élevez vos parents. Hey, j'ai vu la star. Comment elle s'appelle encore là? La fille barantée là. Comment elle s'appelle? Celle qui fait le Ben Sikin là. Marole Tchamba. Elle a commencé à dire qu'elle est la fille du greffier. Elle a entendu la fille du commissaire. Elle a dit que mais ça donne, hein. Moi, mais je suis la fille du greffier. Mais donnez les noms à vos parents qui tuent ça. Marole Tchamba, ma soeur barantée. Elle a dit que son père était greffier. Quand tu lui parles, elle dit que la fille du greffier. Allez lire ses postes. Allez lire ses postes. C'est écrit en bas, la fille du greffier. Elle a vu la fille du commissaire priseur. Elle est inspirée. Allez, c'est pour vous. La fille du commandant. La fille du procureur. La fille du docteur. La fille du professeur. Mais elle est écrite pour vous, dis donc. Si les Américains répondent, ça sera dévastatrice. On va dire que wow, wow, mais oui. C'est la jalousie, ma. C'est même pas une question de Bamileke. C'est la jalousie. Ils ont fait le bruit sur la toile. Ils ont pris les machettes. Ils ont parlé. La première dame est sortie avec un top. J'ai même mis ça sur ma poteau de couverture. Elle a parlé que fermez vos bouches. J'aime tous mes enfants. J'aime tous mes enfants. Elle est venue fermer leur bouche. Ça a tué tout le monde. Tu entends encore Facebook? Ils ont fermé toutes leurs bouches. Elle a mis le dop. Un petit dop quelque part. C'était un message. Quand la reine d'Angleterre sort, elle met une broche. Ça fait un message. Elle met telle couleur. La couleur a un message. Elle met tel chapeau. C'est un message. La reine d'Angleterre avait toujours un message par son vêtement. La presse a fermé votre bouche. Est interdit au Cameroun. Tu es qui, ma? Toi-même, va au pays. Tu as lavé la star ici, là. Est interdit au Cameroun. Les lâches. Voilà les paroles des lâches. Est interdit au Cameroun. Vous avez mal. Parce qu'une Bamileke, qu'elle lance le direct, elle a 2000 vies. Mais elle représente tout le Cameroun. Lolo représente tout le Cameroun. Vous avez voulu la finir. Elle a persisté. Que je veux que rester sur Facebook. Vous avez tout fait. Publiez même la vidéo, même sur moto, sur elle. Les gens vont tout l'aimer. On va citer les noms des gens qui l'aiment. Mais on en a marre de vous. On va vous bloquer, vous tous. Les Bernard Junior Matiagé l'aiment. Les Gloria Louise l'aiment. Les Julien Zombie l'aiment. Les Lydia Lamon l'aiment. Les SJ l'aiment. Les Raïssa l'aiment. Ouais, je répète, la liste est non exhaustive. Vous êtes qui? Si 10 000 personnes aiment Lolo, vous êtes qui? Votre haine ne contient rien. Votre haine est vide. Vous faites semblant de l'aimer, mais en fait, vous ne l'aimez pas. Lolo, barre-moi toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes qui ont fait les directs sur toi, qui ont les minables vues, qui, franchement, on ne vous voit pas. Elles profitent que tout soit sur Lolo. Elles sautent. Elles lancent le caméra. Ya! Les blogueuses de temps, ma soeur.
Dès qu'on te sort sur l'eau, elle saute vite. Hé, Lolo Fodja, elle a fait quoi? Hé, 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 ma queue lancée direct. Ma queue lancée direct. Écoute, la honte, c'est sur vous. Ma te chope pas avec elle n'est pas dans votre histoire, là. Ouvre la porte à ma mère, s'il vous plaît. Ma te chope pas avec elle n'est pas dans ça. Son ami depuis à quoi? Avec elle n'est pas dans ça. Elles ont dit qu'on n'est pas dans ça. Vous nous avez trompé, on n'est plus dans ça. Fichez-nous le camp avec ça. Elles ont dit non. Clarisse, tu croyais que tous les écrans allaient être derrière toi? Tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. La manipulation d'avant là, c'est mort. Tu es parti jamais quand même. Il a fait les vues sur ton agent. Il t'a envoyé combien, ma? Il t'a envoyé combien? Tu as payé de Lolo, elle a fait le direct, elle était à 2000. Elle va encore tirer ses dos propres. Oui, il y a la pub, hein. C'est monétisé. Elle va chop bien même. C'est elle qui pourra avoir pitié de toi un jour. Elle dit que Clarisse, malgré ce qu'on a eu sur Facebook, voilà 300 euros. Mais je connais son cœur. Un jour, elle va t'appeler. Elle va dire, petite soeur, voilà 300 euros. Mais je connais son cœur. Je t'ai envoyé un message hier que ne prononce plus mon nom. Tu n'as jamais sorti l'argent de ta poche pour payer les répétitions à mon neveu. Jamais! C'était mon agent. Ne prononce plus jamais. Sinon, je vais te mettre. Tu vas regretter ce que tu as dit. Tu vas regretter. Les mamans là, dès qu'on lance le direct, elles veulent seulement mourir. Elles sont des tribalistes. Elles ont mal quand elles voient une bamileke à la tête. Je dis que c'est la tête. C'est qui dit qu'elle le dit là. C'est là que l'histoire de Caleçon qui est venu parler sur Facebook. Que tu avais dragué tel. Il ne voulait pas. J'ai dit à la fille, on n'est pas un Niam Chakal ici, hein. Oh, on n'est pas un Niam Chakal ici, hein. On n'est pas à Mokolo. On est à Paris. On est en France, ma. Élève le niveau. Élève le niveau. Oui, Gloria Louise. Les étoiles, elle a chopé. Les vues, elle a chopé. La publicité, elle a chopé dans ton buzz. Allez, attention. Dans ton buzz, Clarisse. Dans ton buzz, Lolo a chopé les dos propres. Tu as allé jamais, quand même. Il a chopé. Va donner aussi un peu à ma pépé. Parce qu'elle a besoin des oranges. Où tu es là, donne un peu aussi de vie à ma pépé. À l'heure là, tout le monde a chopé. C'est plus comme avant, hein. C'est monétisé. Clarisse, c'est monétisé. Quand elle baise soeur, chacun se fait de l'argent. Elle ne parle plus dans le vide. C'est moi qui parle encore dans le vide, mais je ne parle pas pour rien. Je défends mon sang. Oh ah. Il était dans le vide, il ne parlait pas moi. Il ne parlait pas. Il était pour rien, il ne parlait pas. Mais je défends mon sang. Il n'est pas vu qu'on m'appelle, on me dit que rêve, va porter ta soeur parce qu'elle est en train de faire la dépression. Vous mentez, vous mentez. Vous allez être déprimé avant elle. Parce que si elle tombe là, vous allez l'assister 2 mois. Après, vous serez fatigué. Mais nous, on sera obligés jusqu'à la fin d'être là. Donc mieux, elle tourne comme elle tourne, on la voit. Comme ma mère disait que je vais te voir tourner comme tu tournes là. Je préfère voir que je te tourne comme elle tourne là. Je préfère. Clarisse, c'est la monétisation. C'est la monétisation. Les gens ne parlent plus pour rien. Ils pointent leur dos. Tu as compris quoi? Elle a besoin de PS, Niamsi. Faites go. Maman, c'est Baranté. Et tu es Baranté? Pardon. Elle disait que j'ai la voix. Je suis grippée, ma. Quand je suis grippée, je perds la voix. J'aime ma voix. Je suis une fille qui est. Je m'aime jusqu'à ce n'est plus bon. Je suis en train de montrer à mon entourage. Que ayez d'abord de l'amour pour vous, ayez confiance à vous, présentez-vous au monde tel que vous êtes, imposez votre respect. Les gens n'aiment pas les gens comme moi, les gens n'aiment pas les filles comme moi. On dit que tu es méchante, dit que je suis méchante, j'accepte, mais j'impose le respect. Ah, ma soeur Baranté, Niamsi, imposez le respect. Vous n'allez plus faire vos mamans à Lolo, vous faites, on lance le direct, elle dit que on laisse, elle dit qu'elle ne laisse pas. Finalement, elle a commencé à vous clasher. Oui, ce maillot Ouattara s'est réveillé. C'est parti comme ça là. Vous sautez, sort. Oui. Vous sautez, sort. C'était à trop. C'était de trop. Elle n'est pas votre passion. Elle n'est pas votre passion.
Vous sortez, elle vous lave. Elle a dit que quelqu'un a 1m50. J'ai la pour faire m'étouffer. Et tu as 1m50, c'est que moi, mettre des passes en taille. C'est chaud. 1m50. Je l'appuie. Moi-même, je suis encore gossé le profil là, dans la look. Quand j'ai 1m50, je dis que j'ai tapé son nom. Je te demande que ça peut être vrai. Ouais, Seigneur, il y a Facebook. Il faut avoir le cœur pour supporter. Excusez-moi, je me mouche. Kalangala dit qu'elle a 1m50. Je suis sortie du direct. Je suis encore gougouettée. J'ai la vie jusqu'à failli mourir de la. Que merde, ça peut être vrai. Langa, c'est pour avoir 1m50, vrai. Ouais, Seigneur. Seigneur, non. Aïe, Seigneur. Ouais, non, Facebook, il faut avoir le cœur. C'est la bagarre avec Kimoff de Gâche. Je suis encore go dans le direct de l'Angala. J'ai l'appliqué. Je dis que si l'Angala c'est 1m50, c'est que c'est dangereux. Je suis go, j'ai encore look, et que ça peut être. J'ai encore look ces photos. Ouais, Seigneur. Facebook, c'est la magie. Facebook, c'est la magie. Une assassin en plein direct, elle que je te mets au défi. Toi-même, on te met au défi, va au Cameroun. Tu étais une habituée du Cameroun. Ben non, je l'appelle. Je suis encore allée guetter. Toi-même, va au Cameroun, on voit. Va au Cameroun, on voit. Pourquoi depuis tu n'es pas au Cameroun? Tu appelles Carice, tu dis que tu sais, la fille là, mais toi, mais tu travailles où? Tu travailles où, ma mère? Tu travailles où? Vous fatiguez les gens sur Facebook. Je vous ai dit que le trafic des gens ne passe pas au Cameroun. Avant que l'on ne parle de Bami Power, on avait à tout subi sur le net. Oh, tu sors dans la tête Bami. Oh, tu sors de Bami. La première dame, notre maman, la plus belle femme du Cameroun, elle a sorti le dos. Elle a fermé vos bouches. Que le Cameroun, tout le monde est gaille. Elle a fermé vos bouches. Que même les écarts sont en prison. Même les Bami sont en prison. Même les Bassas sont en prison. Ce que vous faites sur Facebook là, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas partisante. Je ne suis pas dans ça. Vous avez honte. Et depuis le moment là, vous ne parlez plus de tribalisme. Depuis le moment là, vous ne parlez plus de tribalisme. On respire sur la toile. Celle qui a créé la fondatrice de Bami Ekan, de Bami Power. Quand Mewa dit Bami Power, tu as dit quoi? Quand Mewa dansait Bami Power, même les Ekan bougeaient les fesses. Même les Ekan tournaient les reins pour dire Bami Power, Foto Victor, Nyadi Fendi Mathiel, Bichato. C'est Mewa qui a dit, ce n'est pas moi. C'est Mewa qui a dit. Il a dit Bami Power, Cap Power, Fosso Victor, Nyadi Fendi Marcel. Après il a dit non, après il a dit Bill Chato, c'est moi. Il y a un autre qui m'a dit que ton neveu ne jouera jamais à l'équipe nationale. Parce que il a dit que ton neveu ne jouera jamais à l'équipe. Maman, il joue à Montpellier. Il gagne son argent. Il a dit que l'équipe nationale, c'est quoi? C'est la fin du monde. Le chantage à 2 balles. Je parle à mon nom, je parle pas à son nom. Clarisse, tu sais que l'on n'a pas mangé ton argent. Je les ai envoyé 54 000. L'autre doit encore combien?
Oh, 9 millions. Tu m'as dit à moi que rêve, tata, madame rêve. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux donner à votre soeur. Tellement elle m'a aidé dans les genoux, là, madame rêve. Ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. L'audio est là. Ton mari n'a pas eu l'accident aujourd'hui, hein, au nozo, hein. C'est depuis plus de 3 ans. Ton mari n'a pas eu l'accident aujourd'hui, Clarisse. C'est depuis plus de 3 ans. Tu m'as dit qu'on t'a fait quelque chose, toi, mais tu es malade. Je ne vais pas dire ça ici. Ça ne me concerne pas. Maintenant, tu m'as fait ton mari devant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit que faire les démarches. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que les démarches ont fait comment? Qu'est-ce que tu m'as dit toi-même? C'est là maintenant, on met les postes partout. Que le show est monté, le show est descendu. Vous aimez venir vous exposer pour rien. Vous aimez venir vous exposer. Maintenant, les problèmes dans la famille. Je ne parle plus, maman. Ça ne me regarde plus. Il dit que Wafo ne va pas t'aider. Wafo règle ses comptes. Va dire à Wafo que tu ne viens pas pour moi. Tu es venu régler tes comptes. Mais quand tu parles du direct, tu fais que parler de la fille là. Parle de mon problème. C'est devenu une entreprise familiale. Et alors? Si ma soeur dit que ma petite soeur me représente en Allemagne, elle vend les produits. Je t'envoyais tout ce que je vendais. Tu m'as dit que rêve, je vends je vends à l'eau à tel montant. Et l'eau vend tel montant. Je t'ai dit, ah bon, Clarisse, tu as dit oui. Et c'est la même chose que je faisais. Qui n'a pas acheté les gelules à 65 euros? Qui n'a pas acheté les gelules à 65 euros? Le prix était connu de tous. Qui a acheté à 90 euros? Qui? C'est qu'on envoyait peut-être au Canada que les frais étaient plus chers. Il fallait monter les frais de port. Les frais de port étaient plus chers. Et les gens qui prenaient ne revenaient plus. Et tu me dis qu'il y a un monsieur en Autriche qui a pris. Il m'a dit que si ça marche, il y a tellement de gens qui mangent ici. Ils sont gros, ils ont besoin de ça. Il n'est plus revenu. Il m'a dit, ça ne marche pas. Au contraire, ça me donne des palpitations. Je t'ai peut-être que Clarisse n'est plus revenue. Ça ne marchait plus. Tu m'as dit que ça soigne les fibromes, ça soigne machin. Ça ne marchait plus. Vous avez commencé à faire 2 achetés, 2 offerts. Quand tu entends, il n'y a que promotion, quelque part, ça veut dire que le produit, on veut vite l'écouler. On veut vite l'écouler. Elle voulait écouler le stock. Et quand tu envoies ton produit par un monsieur, il n'y a aucune garantie. Le monsieur vole les produits. Toi et moi, j'étais même fâché que mes Clarisse, il faut lui parler. Comment il envoie tous les produits à 4 qui manquent, 5 qui manquent? C'est pas de la faute de Lolo. Même les gens qui font le frais de le groupage, il y a souvent des manquants. Rêve, tu as oublié que les Bassa ont ici en Europe, même ici à Paris, les Makos, Missingé, ou même Messancièges. Voilà! Merci ma soeur Naomi Julio. Merci Julio. Il y a les, appelle ça comment? Les Makos Missinges. Ou même les Messancièges. Où est le problème? Pourquoi tu t'accroches à Bami Power? Est-ce que tu vas aller donner comme argument au juge? Est-ce que tu vas aller donner comme argument au juge? Je vous mettez les cœurs. Vraiment, vous savez que je n'aime pas qu'on touche les personnes vulnérables. Vraiment, je n'aime pas. J'ai mal. Elle a exploité ses filles. Vraiment, tu étais où pour vendre pour elle? Tu as fait la pub un jour. Tu l'aimes trop. Tu as fait la pub un jour de ses produits. Hein? Tu as fait la pub un jour que je vais aider ma soeur. Comme elle vend avec la fibre américaine, je vais quand même prendre le produit. Je mets sur mon mur. Je fais la pub. C'est maintenant que tu l'aimes. Yeah! Vous êtes des manipulatrices. Mais tout le monde a ouvert les yeux. Facebook n'est plus comme avant. Tout le monde a ouvert les yeux. Vous êtes des manipulatrices. On va lever nos voix. On peut s'exprimer. Meta a dit que exprimez-vous. Allez, exprimez-vous. Bonjour ma prudence Pende. Bonjour ma soeur. On ne peut pas être tribaliste. Mes voisins les plus proches étaient des Grecs. Mes Grecs étaient les voisins les plus proches. Marie a une battante acribienne. Je n'aime pas trop le biboata.
Elle m'a forcé de manger le biboata. Je n'arrivais pas. Parce que je ne mange pas le couscous manioc. Je n'aime pas les choses molles. Je ne mange pas les choses molles. Même quand le pain est trop mou, là, je ne mange pas. Si le manioc est trop mou, je ne mange pas. Elle m'a forcé le biboata. Elle m'a appris à manger les bandia. On peut être tout, sauf tribaliste. On peut être tout. Les biens, ils peuvent être tout, sauf tribaliste, ma chérie. Waffo. Les biens, ils peuvent être tout, sauf tribaliste. Ça ne passe pas chez nous. Le voisin du bas, les bida, était les écans. On pilait le coin ensemble. On mangeait le ndor. Mais le ndor, je ne mange pas. Lolo adore le ndor. Moi, ça ne passait pas. Les voisins du haut, les batanga, les grecs, les pirasses, m'ont forcé avec le biboata, ça ne passait pas. Les voisins du bas m'ont forcé avec le ndor, ça ne passait pas. Mais quand ils mettaient le coin avec le macabre au feu, oh, je courais. Je chope, ça ne mange pas. Quand l'autre met le bandia, je cours, je chope, ça ne mange pas. Les voisins de devant étaient bassards. On est tous sauf tribalistes. Le directeur de la Bicêtre qui louait chez nous était un bassard. Oui, c'était un bassard. Il mangeait à notre table. Le directeur de la Bicêtre, de la Bicêtre était un bassard. En face, c'était un bassard. À gauche, non, à droite, c'était un grec batanga. En bas, c'était les écans. On n'avait pas les Bamileke voisins. On n'a jamais les Bamileke voisins. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à bien parler Banganté. Tu ne peux pas nous accuser, Wafo, de ce que nous ne sommes pas. Kinimas, j'insulte Kinimas. J'insulte Kinimas. Rassemblement de tous les bassards d'Europe, 50 euros par personne, chaque année. Voilà. Si on dit Bami Power de l'Europe, où est le problème, Wafo? Si on dit Bami Power de l'Europe, où est le problème? Le loi a laissé parce qu'elle a vu que les gens ont voulu instrumentaliser ça tribalement. Elle a laissé. Même les gens m'appelaient. Que mets la pression à ta soeur. Elle ne laisse pas, non. Elle leur a dit non. Je n'ai pas créé ça d'une manière tribale. Mais vous voulez instrumentaliser ça. Je me retire. Et elle s'est retirée. Elle s'est retirée. Donc tu n'as rien à dire. Tu es aigrie. Parce qu'elle avait la star. Dis-le à mon vision. Même chose que tu as fait au président. Tu es gris de lui parce qu'il avait la star. Dis-le à Mondo Vision, on écoute, on quitte sur ça. Dis-le, on quitte sur ça. Dis-le, on quitte sur ça. Tu es gris parce qu'il avait la star. Bami Power, aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne chauffe pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il va à la neubé. Pas de soucis. Tu as compris? Je n'ai pas grand, je n'ai pas eu de voisin Bamileke. Je n'ai pas eu un seul voisin Bamileke. En face de nous, à côté de nous, c'était les Grecs. On a grandi avec les Métis. On a vu le blanc à Kribi. Je ne suis pas comme vous qui avez vu le blanc pour la première fois en Bén. On a mangé le même plat avec le blanc. On a donc tressé les cheveux des blancs étant petites. Nos voisines, c'était des blanches, des Métis. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas blasés. C'est pour ça qu'on n'a pas été blasé par l'affaire que Métis est monté, fait l'enfant Métis. Parce que j'ai grandi avec les Métis. On partait à l'école ensemble. On faisait nos devoirs ensemble. On se lavait ensemble. On tressait nos cheveux ensemble. Il n'y avait pas de différence. La voisine d'en bas, c'était Madame Capic. Le plus grand magasin de Kribi, Capic. Elle avait l'argent, c'était plus bon. Elle prenait le taxi pour aller à 200 mètres. La mère là se vantait, maman. Pour faire 200 mètres de taxi. Ouais, ma mère, je pense à vous tous. Pour aller à 200 mètres, prenez le taxi. Elle avait l'argent, c'était plus bon. Perras avait une boulangerie. Tout Kribi connaissait sa boulangerie. C'était des gens riches. C'était des gens riches. La voisine avait le grand magasin qu'on appelait Capic de Kribi. Demandez aux Kribi, vont te dire. C'était la mort de l'argent. Elle prenait le taxi pour faire 200 mètres. Elle n'avait que les talons aiguilles. Maman Capic. Ma mère là, le Nyanga jusqu'à... Même maintenant, sa fille a publié sa photo, dit que la mère, si elle n'a pas oublié le Nyanga. Maman Capic, c'était la voisine. En face de nous,
J'étais le directeur de la BISIC, Bassa. Je n'ai pas eu de voisin Bami. Mais là, tu traverses la route. C'était les Tondi, les Bamileke. C'était de l'autre côté de la route. Nous, on était entouré des Bassa, des Grecs et des Tribiens. On ne connaît pas le tribalisme, Wafo. On ne connaît pas le tribalisme. Le monsieur est avec sa femme. Madame Kapil est avec son mari. Ma mère est avec son père. On a grandi comme ça. Tu dis papa, l'autre dit papa. Tu dis maman, l'autre dit maman. C'était comme ça. Oui, papa, j'arrive. Oui, papa, j'arrive. Oui, maman Kapil, j'arrive. Oui, papa, papa, Péra. Si on ne disait pas papa, Péra, on l'appelait papa. On a grandi dans cet amour-là. C'est pour ça qu'on ne peut qu'offrir aux gens ce que nous, on a reçu. Tu ne peux pas venir mentir sur nous. On n'a pas grandi dans les quartiers difficiles. Nous ne t'attends, tu mens à ma tante. On dit que tu mens. On ne t'attends, tu mens. Tu as compris avec quoi? On allait à l'école ensemble. Il n'y avait pas de tribalisme. Je n'ai jamais entendu chez Madame Kapil dire que la fils a fait que. Jamais. Je n'ai pas grandi avec ça. Elle mangeait le cuir. Ma mère là-bas faisait le cuir rarement. Je n'ai jamais vu ma mère faire le tarot à la maison. J'ai connu le tarot quand j'ai sorti la maison. Je suis sorti la maison. Je n'ai jamais vu ma mère faire le tarot de mes propres yeux. Elle n'a jamais fait le tarot chez nous. Je n'ai jamais vu ma mère piller le tarot à la maison. C'est ça que je ne connais pas faire ça. Il y a les nourritures que ma mère n'avait jamais fait dans la maison. Parce qu'elle-même, elle a grandi à Dido. Elle n'aimait pas compliquer la nourriture. Parce qu'elle-même, elle a grandi à Dido. Donc, ne viens pas nous influencer que je vais aider Clarisse. Tu n'aimes pas Clarisse. Tu n'aimes pas Clarisse. Tu règles tes comptes. Tu règles tes comptes. Clarisse doit le savoir. Quelqu'un amène un belge sur Facebook, le belge lui donne de l'argent. Oui, Lolo est à 2000 et poussière de personnes. Je dirais là va partir à 45 000 vues. C'est l'argent, ma chérie. Tu as compris avec quoi? C'est pour ça que tu ne peux pas te déplacer Emmanuel Keïta pour vendre tes produits. Son nom d'abord est vendable. Son nom c'est de l'argent. Son nom c'est de l'argent. Va donner ça à tes soeurs comme tu as dit que pourquoi tu n'as pas donné à mes soeurs quand elles ont la visibilité. Qui les connaît? Va leur donner. Quand tu viens donner à Lolo, tu sais pas que tu avais les soeurs. Qu'est-ce que tu m'as dit? Quand tu viens donner tes produits à Lolo, tu sais pas que tu avais les soeurs. Tu savais que tu avais les soeurs. Mais tu m'as dit quoi de tes soeurs? Tu m'as dit quoi de tes soeurs? Que tu n'as jamais vu quelqu'un d'honnête comme Lolo. Dès qu'elle vend, elle t'appelle, elle te donne. Même s'il reste 30 euros, elle essaie de renvoyer. Maman, il y a les gens qui font le business avec vu. Ils te chopent même 2 millions. Ils te chopent tes dos. Tu dis, yeah, Seigneur, qui m'a envoyé? Il y a les gens malhonnêtes. Mais ça n'existe pas dans notre orthographe. Donc va dire à Wafo que moi, je ne te dois rien. Que Lolo ne te doit rien. Que c'est toi qui m'as donné l'autorisation de vendre tes produits en Allemagne. C'est toi qui m'as donné l'autorisation de vendre tes produits en Allemagne. Et quand le monsieur envoyait, il envoyait directement par moi. Et après le deuxième tour, je n'ai plus fait. Mais ça ne sortait plus et ça me fatiguait. Il faut courir après le boulot, tu vas à la poste. Quand on met la main, tu mets dans ton PayPal. Il faut que tu reprennes. C'est du boulot, ma chérie. C'est de l'investissement physique, moral, intellectuel. C'est pas facile. Les clients qui t'appellent, qui t'énervent au téléphone pour prendre un produit, elle va t'appeler 10 fois. Tu dis, ma soeur, je me sens 5 000 que tu m'appelles 10 fois. Comment ils font que tu ça? Si tu sais que ça marche, je t'appelle demain. Demain, elle te rappelle que ouais, rêve, est-ce que je n'ai pas envie de donner mon nom? Est-ce que tu peux livrer par tel? Et c'était les faux profils, j'avais peur. Il faut flatter la personne, n'aie pas peur. Je ne vais jamais te dévoiler. Les faux profils sont dévoilés à moi comme ça. Parce que je leur ai envoyé les produits. Tata Loa maigrit, rêve. Elle a vraiment maigri. Ça marche vraiment. Ma chérie, c'est du temps. Je mets ma ligne à la poste. Je dois écrire le nom. Il y a un moment, tu confonds même. Dès que tu rentres, tu dois garder le bordereau, le numéro de suivi pour ne pas perdre. Parce qu'il y a les clients malhonnêtes qui vont te dire qu'ils n'ont pas reçu le colis. Tout ça, c'est l'investissement, Clarisse. Tu payes combien pour ça? Toi, tu es assise là-bas chez toi. Tu manges ton poème. Tu manges ton varan. Tu as envoyé le produit. Nous, on doit rester faire le reste. Ma chérie, tu as été ingrate. Mais j'espère
que tu continueras à vendre tes produits. J'espère vraiment. Bah, tu étais tellement satisfaite que tu m'as même dit que tu voulais proposer un autre produit à Lolo, le produit des cheveux, et que tu étais encore en train de le tester. C'est dans mon téléphone. Tu m'as dit que j'étais tellement satisfaite, Madame Rêve, que j'ai envie de proposer autre chose à Lolo, un produit pour les cheveux. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit. C'est parce que tu as aimé que tu voulais entrer dans un autre game. Dans un autre level. Tu voulais proposer un deuxième produit pour les cheveux. Mais tu l'as testé encore. Tu oublies que tu me l'as dit. Tu oublies que tu me l'as dit. Tu oublies que tu me l'as dit. C'est ça l'être humain, mes amis. C'est ça l'être humain. Tu as oublié le Ndap Bikoko. Voilà. Je veux dire que mon voisin était Bassa. Le directeur de la BISEC était un homme Bassa. On ne connaît pas le tribalisme, maman. Lolo peut tout faire sauf le tribalisme. Même parler même de son ethnie. Elle a souvent peur parce qu'elle n'a pas envie de blesser les autres. Elle n'a pas envie de blesser les autres. Ne croyez pas, c'est parce qu'elle a peur de vous. Parce que dans les Lolomaniens, il y a un peu de tout. Elle n'a pas envie de frustrer les autres. Mais vous voulez l'éteindre. Vous êtes des tribalistes. Vous êtes des Moi, je vous connais. Quand je vous vois sur Facebook, je n'ai pas envie de citer vos noms. Mais vous êtes des tribalistes. Vous, les femmes sur Facebook, là. Vous êtes des champions dans le tribalisme. Vous êtes des tribalistes. On vous connaît. Mais je vais aller sur la page. Je vous bloque one by one. Qu'elle n'ait plus jamais affaire avec vous. Oubliez-la. Mais elle va rester sur le net. Elle va rester dans son émission. Vous voulez la déconcentrer. Dès qu'elle donne l'émission, elle donne déjà là. Vous commencez à venir commenter. Je voulais voir dans le direct. Elle commande. Hey, Tata Lolo, vraiment, vraiment, des méchantes femmes. Elle ne parle pas. Dès que l'on va faire boum avec l'émission, vous allez les voir. Elles seront dans le live en train de commenter. Vous êtes des méchantes femmes. Vous êtes des aigris. Vous ne voulez pas voir une Amélika à la tête. Pourquoi? 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 Vous avez oublié que la fille de l'État, la couvre tantôt dans la durée, là. C'est notre Bamileke. C'est notre Bamileke, hein. Elle est bangante, hein. Vous avez oublié. Vous êtes encore en train d'aller, quand vous n'aimez pas Lolo qui est Bamileke, vous êtes encore en train, d'aller fabriquer notre Bamileke. La haine vous fait, vous oubliez même vous. Vous oubliez même ce que vous faites, hein. La haine vous fait, vous oubliez même ce que vous faites. Parce que vous êtes en train d'aller fabriquer encore une autre Bamileke. Tout ça cause la haine. Contre Lolo. Vous fabriquez encore une autre Bamileke. Sans vous en rendre compte. Vous êtes des tribalistes. J'aime les Bassa. J'aime les petits. J'aime les Yondo. J'aime les Bami. J'aime les Tchang. J'aime les Yaoundé. Parce que la vie si. Je vais aller me tuer pour une année. Pourtant demain on va m'enterrer. Pourtant demain mes parents, je vais laisser l'ethnicité. C'est bête. Je vais aller me tuer à détester les Bassa. Pourtant, demain, je peux passer de vie à trépas. C'est insensé. Je vais aller me tuer que, il faut qu'un Bamileke soit au pouvoir. Peut-être qu'il n'est pas au pouvoir, je ne suis même plus là. Peut-être le jour qu'il prend le pouvoir, je pars. On a vu maman Maëlibi. Elle s'est battue pour Barbo. Elle n'a même pas vu la sortie de Barbo. La mort est venue. Elle n'était pas là pour jubiler. Elle n'était pas là pour jubiler Barbo. La mort l'a pris. Coronavirus l'a amené. Quand Barbo est sorti, elle était à partir. Elle a lutté. Le moment de se réjouir, elle était à partir. Je n'ai pas le temps là. Les expériences des autres m'apprennent. Je n'ai pas le temps de me casser que le Bassa dit que, le Kana dit que, le Yaounda dit que, le Béaou. Je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps là. Mon énergie, c'est pour me faire plaisir, pour que je vive longtemps. C'est ça que je ne peux jamais appeler une femme vieille femme. Je ne peux jamais dire une femme vieille femme. Si je le dis, c'est un lapsus. Je demande pardon parce que j'ai envie d'atteindre ton âge. Quand une femme me dit vieille fille, je prophétise que tu n'arriveras pas à mon âge. Point barre. Tu n'arriveras pas à mon âge. Les gens meurent trop. Les gens meurent tellement. Vous avez le temps là?
pour dire que j'ai été interdit le Cameroun. Peut-être en allant au Cameroun, tu ne seras même plus là. Qu'est-ce que tu en sais? Tu t'interdis le Cameroun, me ne. Tu tapes la poitrine, tu es quoi? Tu es rien. Tu es rien. Vous avez vu le président de la République, il y a un monde aux visions, taper la poitrine que toi là, je vais plutôt voir au Cameroun. Il n'a jamais fait ça. On vous donne un petit pouvoir. Mais Tshikembe, lui-même, il a dérangé. Hein? Il vous donne un petit pouvoir d'avoir un certain nombre de followers. Vous commencez à faire comme si vous montez sur vos grands chevaux. Vous montez sur vos grands chevaux. Pourtant, sans les followers là, qui devaient vous connaître, sans les followers qui allaient connaître ton existence, non, c'est que la star chante, ma. Elle fait le tour, Capitolo, Hôtel Hilton, demain elle est à la Sanza, après demain elle est ici. Pas qui te connaît, ma. Tu es non-name comme nous là. Ta voix est rock comme nous là, ma. On ne peut pas tenir le micro. Sinon, les gens vont fuir. Si on commence à chanter là, les gens vont fuir. Si c'était pas Tshikembe, au lieu de dire merci, qui t'a donné une petite visibilité, quelques personnes te suivent, tu veux nous blaser? Qui te connaît? Si met ta ferme là, qui te connaîtra? Qui te connaîtra? Tu ne sais qui sera qui? La petite audience là vous lève la tête. C'est la star qui t'a donné le nom. C'est la star. Tu dois reconnaissance jusqu'à la fin de ta vie. Qui te connaissait, ma? Il n'avait jamais entendu parler de toi. Il n'avait jamais entendu parler de toi jusqu'à ce que je te vois sur le bateau avec la star. Je te dis donc. Il n'avait jamais entendu parler de toi. Il ne te connaissait pas. Tu étais non-aime. Personne ne te connaissait. Personne ne te connaissait. Donc ne viens pas nous fatiguer. Tu n'aimes pas Clarisse. Tu veux utiliser Clarisse pour régler tes comptes. Mais c'est une fille intelligente. Elle a un bac G, si je ne me trompe pas. Elle a fait l'université. Clarisse est ma camarade. Clarisse est ma camarade. Elle ne peut pas tomber dans ton tchoukam. Elle ne peut pas tomber dans ton tchoukam. Tu vas l'abandonner en cours de route. Oui. Clarisse ne peut pas tomber dans ton tchoukam. Tu vas l'abandonner en cours de route. Ce n'est pas peur que je le dis. C'est pas conviction. Tu vas la lâcher. Parce que ce que tu fais là, c'est ta visibilité que tu cherches. Ce n'est pas Clarisse. Mais quand tu parlais hier, tu ne faisais que narguer Lolo. Tu ne t'attardais pas sur Clarisse. Tu es parti la contacter, mais tu voulais régler tes comptes. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour ma pampers. J'ai compris que la personne voulait régler ses comptes. J'ai parlé de ça ici. Par rapport à son ancien gars qui est au pays. Son ancien gars qui est rentré au pays. J'ai compris que c'était un problème de règlement de compte. Qu'à cause d'elle, mon oncle est rentré au pays. À cause d'elle, mon oncle est presque faux. J'ai compris que c'est un règlement de compte. J'ai dit que jamais, je ne dis pas ça. Vous m'avez parlé de ça. Car elle n'est pas bête. Elle sort de la bonne école. Tu as compris, non? Tu as compris? Clarisse n'est pas bête. Parce que c'est question pote, mais on l'attend. On l'attend. Donc là, on doit pas aller au Cameroun. Moi, je vais aller au Cameroun. Je vais te montrer que relation, c'est que où tu accroches. Comme tu as 1m50 là, ton sac s'arrête à 1m50. Non, tu te soulèves la main, il y a encore peut-être 1 cm. 1m52. Il y a d'autres qui sont plus géants. Quand ils soulèvent la main, c'est 1m70. L'autre soulève, c'est 1m80. C'est comme ça les relations au pays sont. Chacun accroche son sac où il peut arriver. Tu as compris? Donc, tu ne fais peur à personne. C'est toi qui as provoqué Lolo, tout le monde a vu. Elle est venue répliquer. Maintenant, tu as mal, pourquoi? Elle ne se lève jamais. Elle provoque quelqu'un pour rien. Je n'en ai jamais fait ça. Tu la provoques, elle vient répliquer, ça fait mal. Donc, c'est la fin de mon direct. Je vous prie, tout le monde, ceux qui n'ont jamais jeûné, faites une expérience de jeûne cette année. Nous sommes le 28, demain le 29, après demain le 30. Mais prenez même un jour de jeûne ou deux jours de jeûne. Faisons l'effort. Entrons,
dans 2023 avec un jeûne propre. Prenons même, moi je commence demain. Prenons même 2 jours seulement de jeûne où on passe notre journée à méditer. À méditer. Méditons. Zéro direct. Pendant les 2 jours de jeûne-ci. Quelqu'un t'insulte, tu dis que pas avec. Quelqu'un t'humilie, tu dis pas avec. Quelqu'un fait n'importe quoi. On te bucrerait, on te laver là-bas, tu dis pas avec. Pendant 2 jours de jeûne. En les 2 jours de jeûne-là, on met l'eau dans la bouteille d'eau minérale. On verse notre sel dedans. On se lave avec. On médite, on médite, on médite, on médite. On chante les mots religieux. On donne la gloire à Dieu. 2 jours de jeûne. On se lave avec le sel. On chante à la gloire du Seigneur. Maman, vous avez vu les artistes? Quand un artiste chante ton nom, tu imagines la joie que ça met dans ton cœur. Quand un petit pays dit que... Il dit soit quoi? Non, il est amour. Quand un artiste pose ton nom dans un direct, quand un artiste chante, il prononce ton nom, tu imagines la joie. Il dit peut-être Prudence Pénandale, Prudence Pénandale depuis Paris. Ma, imagine la joie que ça peut te faire. C'est la même joie que quand tu te lèves le matin, tu chantes pour ton Dieu. Imagine le picotement de joie dans son cœur. C'est la même chose. Prenons ces 2 derniers jours-ci. Ma, prions. Laissons les directs. Méditons. Élevons nos voix. Bénissons Dieu. Donnons-lui toute la gloire. Bénissons-le. Donnons-lui l'élévation. Disons-lui à quel point il est bon. Ça lui donne la joie au cœur. Comme quand petit pays dit souvent que oui, maman. Comme quand Longuet chante souvent le nom des gens. Comme quand petit pays prononce, tu imagines que petit pays prononce ton nom. Il reste comme ça là. Il dit. Il reste de poste là où elle dit ça. Où elle dit quoi? Tu imagines petit pays chanter. Il dit que dédicace spéciale à Lydia Lamang depuis Paris. Maman va plus respirer sur Facebook. Ou bien dit dédicace spéciale à Julien Zombie depuis Paris. Maman, elle va nous rébisser ça. C'est la même chose que Dieu. Quand il entend comment tu chantes pour lui. Il entend comment tu élèves son nom. Il entend comment tu cries. Tu dis, Seigneur, l'amour que tu as pour moi. Ma, mettons le temps pour ça ces 2 jours-ci. N'entrez pas dans les directs. N'insultez personne. N'insultez pas. Même si c'est comment, n'entrez pas dans un direct pour insulter. N'insultez pas. Même si vous voyez comment on insulte votre star, Lolo, ne dites rien. Même si on fait comment. Ma, il nous reste le 29. Il nous reste quand? Il nous reste le 29, le 30. Le 31, c'est souvent difficile de jeûner parce que les gens sont en train de faire la cuisine, les gens sont en train de préparer, les gens sont en train de manger. Prenons ces 2 jours-ci. Prenons ces 2 jours-ci. Mettons-nous en pleine méditation. L'eau minérale, tu mets ton sel dedans, tu parles. Le sel est puissant, qu'on ne vous manque pas. Tu mets ton sel, tu parles dans ta bouteille, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu prends l'eau là, tu verses sur toi. Tu ne te suis pas. Tu attends ça sèche. Tu parles avec ton Dieu. Tu parles, tu parles, tu parles. Même quand tu es à la cuisine, tu médites. Tu donnes la louange au Seigneur. Tu donnes la louange. Tu le bénis. Tu l'élèves. Tu parles, ça ne t'envoie pas. Parce que ta voix part. On dit que pourquoi tu n'as plus la voix? Tu dis que la louange à mon Dieu a pris ma voix. Faisons ça. Laissons les wafos croire qu'elles ont le monopole. Elles ont nos vies entre leurs mains. Laissons-les croire qu'elles sont trop arrivées. Faisons ça. Les 2 jours-ci. Unissons-nous dans le jeûne. On se lève, on ne mange pas. Ça dépend de chacun. Jusqu'à midi, jusqu'à 14h, jusqu'à 16h, tu serres le cœur. Tu ne chopes pas. Ce matin, j'ai insulté. Voilà.
Karine, je n'ai jamais invité ces jeux aujourd'hui. J'ai vu, j'ai rien. J'ai vu. J'étais même calmée. Ouais, Marvin, il fallait faire ce direct hier. Ce matin, j'ai insulté Victoria Vasquez. Mamie, si tu es dans ce direct, pardonne-moi. Voilà les vraies femmes. Victoria a un grand cœur. Elle t'a pardonné. Elle-même, elle a insulté ce matin. Mais tu peux continuer demain, non? Tu peux commencer demain. Tu peux commencer demain. Demain, nous sommes le 29, le 30. Le 31 sera difficile de gêner. Le 31, tu peux manger. Mais c'est la louange à la maison non-stop. Un glou. Aujourd'hui, là, c'est la louange non-stop. La louange non-stop. Parce qu'on va aller en tournée chez ma tata. C'est la louange non-stop. Il n'y a pas de film aujourd'hui. Même demain, tu peux commencer. On chante seulement la louange à la gloire du Seigneur. On chante, on chante, on chante. On met tout. C'est-à-dire que tous les musiciens auront nos vues sur YouTube. Dès que tu fais la musique de quelqu'un, tu le bénis. Tu passes sur l'autre, tu entames. N'insultons pas demain. Oh. N'insultons personne. N'insultons pas après-demain. N'insultons personne. Entrons en 2023. Sans problème. Oh. Mettons le sel dans une bouteille d'eau. On se lave avec. On lave même nos enfants. Tout le monde va se laver avec le sel pendant 2 jours. Oui. Ce n'est pas le maraboutisme. Tu enlèves que Seigneur, Seigneur, tout ce que tu m'as fait pleurer en 2022 me rendra heureuse en 2023. Tout ce qui m'a fait pleurer, si quelqu'un m'a offensé, cette personne viendra m'élever. Si quelqu'un m'a fait pleurer en 2023, cette larme se transforme en larme d'allégresse. Ce que j'ai vécu comme négativité en 2023, ça se transformera en positivité. Tu sais, toi-même, tu connais ton cœur, ce qui t'a dérangé en 2023. Tu sais ce qui t'a dérangé. Moi, 2023, 2022, j'ai fait une formation qui m'a menacé. J'ai terminé en beauté. Et je devais payer les 50% de ma poche. C'était dur. C'était dur. Demander à mon fils. C'était dur. Il fallait rentrer du work. Tu cours au cours. Tu flattes l'enfant que garde ta petite soeur. Quand elle dit niette, je la prends. Je cours avec elle, je m'en vais au cours. La doyenne me dit que non. Vous pouvez venir avec l'enfant. Je rage, je prie, elle dit que Seigneur, je n'ai personne pour garder l'enfant. Il faut baiser son cœur. Qu'elle me permette de venir avec l'enfant. Je reviens encore. Elle dit que non, je ne permets pas. Après, elle m'envoie le mail. Elle me dit, rêve, tu peux venir avec ta fille demain. Elle est libre. Ça veut dire qu'elle est gentille. Je porte l'enfant, je pars. Le jour que mon fils est content, il garde l'enfant. Donc, c'était Dieu. Mais Dieu m'a fait finir en beauté. J'ai chafen, j'ai réussi ça. Il m'a fait finir en beauté. Donc, tu connais les difficultés que tu as traversées en 2023, en 2022. Quand tu verses l'eau sur toi, là, tu dis que tu ne veux plus voir les difficultés, là. Tu laves ça. Tout ce qui t'a sali, tu te purifies avec. Tu laves, toilette intime, tu laves avec le sel là. Ça chasse. L'eau la part, l'eau la part. Mais là, tu prends l'eau normale, tu verses, tu purifies maintenant avec l'eau normale, sans sel. Tu enlèves tout ça. La cervelle que tu t'es emballée avec, tu envoies ça directement à la machine. Le deuxième jour, quand tu go to wash, tu reprends une nouvelle serviette, une nouvelle bouteille d'eau. Deuxième jour, tu envoies la cervelle encore à la machine. La seule idée. La seule idée. Donc, on aura ici dans la maison si chacun a une serviette. La machine à laver va récupérer ça. Le slip que tu as enlevé, tu le jettes, tu ne le portes plus. Ne négligeons rien. Tu dis que Seigneur, 2023, 2022, je n'ai pas pleuré. Et je ne pleurerai pas. 2023, je ne vais pas pleurer. Et ni un membre de ma famille, personne ne va pleurer. Tu, t'as dit que, tu, toi, vous connaissez ce que vous voulez, non? Vous connaissez dans vos cœurs. Prenons 2 jours de jeûne. N'insultons pas. N'insultons personne. Ma, tous les faux profils, je vais les mettre, tous ceux qui ont créé la page pour insulter ma soeur et moi, là. Je vais les mettre dans mon eau. Je veux parler dans mon eau. Que Seigneur,
attache leur bouche en plein direct. T'as vu que quand il est en direct, il avale sa langue. T'as vu qu'il avale sa langue en plein direct en prononçant mon nom. Parce que je ne veux du mal à personne. Je mets l'eau, je verse. Je dis que tous ceux qui créent le faux profil pour insulter mes ancêtres, mon père, ma mère, cette malédiction ne me touche pas. Que ça ressemble. Seigneur, expose-les. Qu'en plein direct comme ça, là, ils calment, poster. On dit que qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent qu'appeler, appeler, 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 appeler. Appeler l'ambulance. Appeler, appeler, appeler. Je verse, je dis Seigneur, expose-les, expose-les, je verse sur moi. Vous allez voir vos bouches. Vous allez voir, je ne mens pas, hein. Vous allez vous rappeler de mes paroles. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu te lèves le matin, tu commences à insulter la personne, dénigrer. La personne pas dormir avec la douleur. Que Seigneur, voilà une personne qui m'insulte. Tu verses l'eau sur toi. Tu dis que Seigneur, expose moi-même. Si je suis un faux profil pour vous insulter, va m'exposer. Donc c'est la fin de mon direct. Aujourd'hui, là, c'est la louange. J'ai bu mon café. Je ne peux plus jeûner. Mais demain, je jeûne. Je jeûne demain. Je jeûne après-demain. Même ici, là, tout le monde va jeûner. Mes enfants vont jeûner jusqu'à 15 heures. Ils vont jeûner jusqu'à 15 heures. Tout le monde va jeûner ici. Demandez au Seigneur ce que vous voulez. Mais avant de demander, cette journée sera une journée de louange. On va l'élever, le bénir. Mettez seulement les musiques religieuses. N'écoutez pas les directs. Fuyez les directs aujourd'hui. Non, n'écoute pas moi les directs aujourd'hui. Oh. Zéro direct. Lola a bien fait de faire son direct hier. Wafa a bien fait de faire son direct hier. Elles ont bien fait. Zéro direct. Donc, c'est la fin de mon direct. Je vais résumer en disant à Clarisse que Lolo ne te doit rien. Tu le sais très bien. Rêve bien, il ne te doit rien. Tu le sais très bien. J'ai vendu tes produits en Allemagne avec ton aval. Avec ton accord. Tu n'as jamais payé les répétitions de ta poche. Tu es une menteuse. Repens-toi. Tu m'as encore fait prouver que tu m'as encore fait comprendre que l'eau calme est très dangereuse. Tu es une fille très dangereuse, Clarisse. Je t'ai envoyé un message hier que je n'ai pas envie de t'exposer parce que j'ai une pensée pour tes enfants et ton mari malade et toi-même malade. Je n'ai pas envie de rajouter. Quitte derrière moi. J'envoie un message à Wafou que le Cameroun est indivisible. Le juge que tu appelles là n'est pas allé à l'école pour toi. Pendant que tu apprenais à faire le tcha-tcha chez ma tante, lui il était à l'école. Il apprenait le droit. Toi tu marchais partout pour apprendre le tcha-tcha. Il n'est pas ton camarade. Ne le salis pas. Et tu n'aimes pas Clarisse. Tu utilises Clarisse pour régler tes comptes. Clarisse est ma camarade de classe. Elle sait ce que c'est que la vente en ligne. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Les gens ont même trop aimé Lolo. C'est pour ça qu'ils ne venaient pas se plaindre. Les gens ont trop aimé Lolo. Pour vendre son nom, ça coûte plus cher que ce que tu as vu là. Le nom, ça se vend. Et pour avoir un nom, ça se travaille. Elle est passée par humiliation sur humiliation pour faire 2000 personnes en ligne. Elle ne s'est pas levée un matin pour le faire. Elle a subi. D'accord? Donc ne croyez pas que vous allez venir vivre ça sans subir comme elle. Elle a subi. Donc ma chère sœur Clarisse, je t'ai envoyé un message. Ressaisis-toi. Parce qu'elle t'expose. Ça va devenir un autre problème sur la toile. Ressaisis-toi vite. Tu es dangereuse. Mais quand on voit un serpent, on écrase sa tête. Si tu n'écrases pas sa tête, il te mord. Donc tu écrases sa tête. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes une très bonne journée. N'oubliez pas de vous faire vos bains spirituels de protection pour entrer dans la nouvelle année avec beaucoup de prospérité, de portes ouvertes. Demandez l'ouverture de portes au Seigneur. Si vous voulez le mariage, qu'il vous donne la clé de la maison de votre mari. Tu dis Seigneur,
donne-moi la clé de la maison de mon mari. Si tu veux la prospérité financière, tu dis que Seigneur, donne-moi l'ouverture des portes financières. Open doors. Financial open doors. Tu dis, Seigneur, donne-moi les portes financières. Si tu veux les aides de destinée, parce que c'est très important les aides de destinée. Tu dis, Seigneur, en 2022, tu ne m'as pas donné une aide de destinée. Personne ne m'a aidé. Donne-moi les aides de destinée. J'en ai besoin pour tel projet. Si tu veux l'enfant, tu dis, Seigneur, donne-moi l'enfant. Tu te laves, tu verses l'eau, tu appelles l'enfant, tu commences à avoir le prénom. Tu dis que j'appelle Joseph. Tu dis qu'il va s'appeler Joseph. Tu dis, Joseph, entre dans mon ventre. Il faut donner les trucs palpables. Ne parlez pas à Dieu avec le concret. Touchez. Il va te dire que tu veux quoi? Seigneur, je veux l'argent. Là, c'est quoi? Dis que tu veux tel montant pour telle chose. Parle à Dieu factuellement. Je veux l'enfant. Dis que mon enfant me dira son prénom. Il s'appelle Joseph, Antoine, Stéphane, Amélie, Rêve. Seigneur, j'appelle Rêve dans mon ventre. Rêve, tu vas entrer en 2022, en 2023. Joseph, tu vas entrer. Tu t'appelles Joseph. Tu commences à dire au Seigneur. Tu vas parler. J'ai tel projet. L'aide de destinée va venir. Tu veux le mari, tu demandes la clé. Envoie-moi un mari, c'est trop vulgaire. Seigneur, donne-moi la clé de la maison de mon mari. Que je mets comme ça, j'ouvre, j'entre. C'est moi qui dois détenir la clé. Quand tu vas demander, le gars avec qui tu vis, tu vas commencer à voir que vous allez commencer à avoir les problèmes. Pour un rien, pour un oui, problème. Ne te plains pas. C'est une autre ouverture de porte qu'il est en train de t'ouvrir. Tu vas commencer à avoir les problèmes avec lui. Il va dire que je m'en vais déjà. Tu dis que papa, voilà la porte qui est ouverte. Tu me freinais même trop. Pas vite. Pas. Voilà la porte qui est ouverte. Peut-être qu'elle va partir là. C'est pour aller entrer chez ta mère pour demander ta main. Peut-être qu'elle va partir là. C'est pour aller entrer chez ton père pour demander ta main. Donc ne le retiens pas. Quand tu fais ton bain là, tu dis que la clé, c'est la clé que je veux. Dès que tu mets ton premier pied gauche au sol, tu dis, Seigneur, comme j'ai mis le pied gauche au sol, je m'en vais comme ça prendre la clé de la maison de mon mari. Je m'en vais comme ça payer le trousseau de Joseph qui va naître. Je m'en vais comme ça porter ma robe de mariage. Ma, on appelle la bénédiction. On arrache sa bénédiction. Tu arraches. Il n'y a que Dieu qui peut recevoir. Il n'y a que Dieu. Tu arraches ta bénédiction. Tu dis que Seigneur, je m'en vais comme ça là, porter ma robe de mariage. Ne dis pas que Seigneur, je veux le mariage. Je veux le mariage. C'est trop abstrait. C'est trop abstrait. Tu arraches ta bénédiction. Jacob a arraché la bénédiction sur son père Isaïe. Isaac. Son frère Isaïe est venu, c'était à partir, on avait à tout donné. Isaïe dit que, petit-moi, papa. Il dit, mais j'ai donné toutes les grandes bénédictions à ton frère. Ton frère a pris toutes les grandes bénédictions. Il a quand même béni, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Il a voulu tuer Isaac. Mais il a voulu tuer, c'est Jacob, lui. Hein? Ah, c'est qui, mamie? Lui, il a voulu tuer Jacob. Mais Dieu avait un autre plan. Donc quand tu mets ton pied gauche, si c'est l'enfant que tu veux, Seigneur, comme j'ai mis mon pied gauche là, c'est aujourd'hui là que Joseph va entrer dans mon ventre. C'est aujourd'hui là que Raphaël va entrer dans mon ventre. C'est aujourd'hui là que Antoine va entrer dans mon ventre. Ne serait pas entré, demain tu recommences. Ne serait pas entré, après demain, ne te décourage pas. Ne te décourage jamais. Donc verse ton eau sur toi. Tu verses ton eau sur toi, ton eau salée. Tu parles. C'est aujourd'hui là que je vais rencontrer mon aide de destinée. Aujourd'hui, pas demain. Tu vas marcher en route comme ça. Quelqu'un m'a dit bonjour ma chérie. Tu dis bonjour. J'aime ta tennis. Tu dis merci. Derrière le mot là, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Donc concentrons-nous ces deux jours-ci.
à parler avec notre Dieu. Si vous ne savez pas à quoi je suis passée en 2022, mais ça s'est terminé en beauté. 2023 sera une très belle année pour moi. Parce que j'ai relevé un challenge que j'avais peur d'affronter. J'aime pas quand tu parles comme ça, Eva. J'aime pas quand tu parles comme ça. Vous avez compris, non? Donc, n'insultons pas. Ne clashons pas. Suivons le direct pendant les deux jours-ci. Allons dans le direct des hommes prophétiques. Je ne vous manque pas que vous qui parlez anglais, là, les English speakers, allez écouter le prophète Diri Eze. Mais si vous allez voir la magie, son nom, c'est International. C'est quoi encore? Hein, maman? C'est quoi encore, là? Ouais, j'ai oublié. Oh, je connais seulement Diri Eze. Oh, allez taper Diri Eze. Eze, comme on dit chez les Nigériens. E-Z-E. N-S-P-P-D. 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 Maman, je mélange l'allemand et l'anglais. N-S-P-P-D, oui. N-S-P-P-D. Vous avez compris? Pour ceux qui parlent français, allez taper Liberty Ministry. C'est de prophète Méric. Il y a le faux, hein. Ne tombez pas sur le faux. Il y a le prophète Méric. Mes soeurs, vous serez bénis. Mes soeurs, vous serez bénis. Allez taper Méric. Liberty avec Y, hein? Ministry. Et vous partez taper l'application Kagouka. Oui! Ma cousine m'envoie ça tous les matins. Kagouka. Kagouka, oui, elle m'envoie ça tous les matins. Écoutez ça. Quand vous levez le matin, ne lancez pas seulement les directs pour écouter. Allez taper NSPPD. Liberty Ministry. Il est au Cameroun. NSPPD est au Nigeria. Maman, mes soeurs, ce qui est là-bas, c'est le Wanda Foot. Messieurs, ce qui est là-bas, c'est le Wanda Foot. On dit qu'on donne l'argent au prophète. Tu mets ton PayPal. Si tu veux, tu donnes 30 euros. Après deux semaines aussi, tu donnes 20 euros. Mais c'est mieux que de donner l'argent au gigolo. Que de donner l'argent au gigolo, c'est mieux. Tu pars, tu mets 20 euros, 100 euros. Ça dépend de toi quand tu veux. Maman, tu t'assois avec tes enfants. Tu veux faire la communion. Tu coupes le pain. Avec tes enfants, tu leur donnes la communion. Maman, mes mères, mes soeurs, ce qui est à la base, c'est le Wanda Food. Je ne vous mens pas. J'ai vu ça avec mes yeux. Si Lady Foken élève à témoigner, Lady Foken, j'ai vu ça avec mes yeux. T'as dit que je suis tellement. T'as dit que. Oui, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a quelqu'un sur Facebook ici, là, qui a eu les jumeaux. Il y a quelqu'un qui a eu les jumeaux ici sur Facebook. Grâce au prophète Méric. Grâce, s'il ment, je sors la vidéo. Si je mens, je sors la vidéo. Mais ça m'étonne qu'il ne parle pas de lui. Il parlait de lui, après il a arrêté. Il a eu les jumelles. Grâce à l'onction du prophète. Je ne vous mens pas. Le prophète, je vais l'inviter en Allemagne. Je suis fière de le faire. T'as vu que si on me dit excited, que ça se passe. Le prophète, je vais l'inviter en Allemagne. Je vais l'inviter au Luxembourg. Mais mes soeurs, prenez le temps d'écouter ça. Liberty Ministry. Maman, le prophète Diri Eze, hier c'était la mort. Attendez, je vous cherche ça. Je suis en direct où? Attendez. Ne négligez pas, hein. Allez taper. Je suis en direct ici. Attendez, je vous mets ça. Attendez, je vous mets ça. Maman, là-bas c'est la mort. Attendez, c'est Stream of Joy. Attendez, je vais vous écrire ça. Stream of Joy International. Attendez, je vais vous écrire ça. Je vais vous écrire ça ici.
Attendez. Je vous écris ça ici. Grâce à cette application, j'ai eu mon bébé. Oh, Gloria Louise. Bravo, ma soeur. Waouh. Waouh. Que Dieu soit et le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit élevé. Je vous ai écrit ça avec le profil de Michela. Que le nom de Dieu soit élevé. Vous avez vu? Waouh! Vous avez vu? Je vais indexer. Stream of Joy International. C'est la magie là-bas, mes soeurs. C'est vrai qu'il parle en anglais, il parle vite, 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 vite. Mais ma, le prophète Jéry dit que même si tu n'entends pas, quand il dit que dit Amen cette fois, mets la foi. Mais si vous allez venir me dire que, même si vous êtes, comme vous êtes ingrate, comme vous êtes hypocrite, même si vous ne dites pas merci, Dieu aura vu que c'est grâce à rêve que tu as connu ça, il va me bénir. Je n'aurai pas besoin de ta bénédiction. Même si tu ne viens pas me dire que rêve, c'est grâce à toi que j'ai connu prophète Jésus et Rézé. Même si tu ne viens pas me dire, Dieu va passer par toi, il va me bénir. Ouah. Il va me bénir. Donc, quand je parle de Dieu, je ne cache pas. L'autre, c'est Liberty Ministry. Ah, Michela connaît hein, tout ça. du prophète. Quand je tape seulement, ça s'affiche. Du prophète, mais Eric. Je vais l'inviter en Allemagne. Voilà. Prophète, mais Eric. Voilà les deux. Lui. Chez le prophète Méric, on peut te traduire. Il y a la traduction. Mais chez le prophète Jéré Ezi, il n'y a pas la traduction. Je vais m'envoyer mon témoignage là-bas. J'ai fait mon témoignage en français. Parce que je voulais encourager les French speakers de ne pas avoir honte d'aller là-bas. Que même si tu parles le faux anglais, ça ne fait rien. J'ai fait mon témoignage là-bas. J'ai envoyé. Je n'ai pas eu honte. C'était le wonderful. C'était le wonderful. C'est tous les matins, quand je me lève, pap, il a lancé. Maman, l'onction, c'est la magie. C'était que, t'as dit que les triplés, les témoignages que tu veux voir, maman, on peut mentir le témoignage, mais pas la qualité là. Il dit que les triples, ouh, what God cannot do does not exist. C'est la magie. Quand je vous parle de la chair de poule, c'est la magie. Maman, quand j'ai commencé ma grossesse, je l'ai connu quand j'avais à peut-être 4 mois de grossesse. Maman, je priais là-bas. Mais une grossesse que tu ne vomis pas, tu n'as pas les nausées, tu te demandes que tu es enceinte, tu n'as pas les pieds, les œdèmes, les pieds ne gonflent pas, tu n'as pas le masque, t'as dit que tu wandas sur ta grossesse, maman. Quand tu pars accoucher, tu te dis que va. Va accoucher comme une femme hébreu. Tu pars, tu accouches comme un bébé. Tu accouches comme un bébé. Tu accouches encore l'enfant. Oh, le goût de ça. Le goût de ça. C'est pour ça que quand tu me provoques, je viens vers toi avec la. Je te parle fort. Mais pas avec la haine. Mais pour que tu saches que, comme tu es forte là, il y a un Dieu qui me couvre, qui est fort, la magie. J'ai entendu. Maléba dit que les gens sont jalouses, ou bien les gens envient quand elle dit que ma mère, compresseur, je n'ai pas de mère, mais je te dépasse dans la spiritualité. Ne t'accroche pas à ta mère, accroche-toi à Dieu. Compresseur, tant que tu vis, ta mère ne peut pas prier pour toi comme toi-même. Tu as compris avec moi? Arrêtez de dire que heureusement que ma mère vit. Oh! Oh! Quand tu sais prier, et que tu fermes ta bouche, ta mère prie pour toi. Vous me faites trop rire. Vous écoutez même les études bibliques. Donc tu dors, ta mère prie pour toi. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Maman, je n'ai pas de mère, mais je suis plus heureuse que toi, que ta mère vit. Oui, donc ne fais pas le direct, tu dis que
quand je parle de ma mère, elles sont jalouses pour toi. Ne dis plus jamais le mot là. Le Seigneur peut très mal se fâcher. Ne dis plus jamais ça. Comme ta mère est ton Dieu sur terre, c'est comme ça que nos enfants sont nos dieux sur terre. Mais ensemble, on a un Dieu. Donc, ne dis plus jamais, tu as voulu frustrer Nadège Mbappa, tu as dit le mot là, j'ai l'ap jusqu'à. J'ai dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Assieds-toi, tu pries. Mets tes genoux sur, tu pries. Prie même pour ta mère. Parce que pour vraiment bagarrer avec le démon, il faut avoir le. Il y a le moment où je prie, ma voix part. Parce que je n'ai pas le corps de vocal solide. Il y a le moment où je prie, demandant à mon fils, ma voix se perd. Je perds la voix. N'attends pas ta mère pour prier pour toi. Parce que quand il y a les vrais combats là, ma. Quand il y a le vrai combat, ce n'est pas petite chose. Ce n'est pas petite chose. Père, se mettre à genoux, c'est lever, prier. Se mettre à genoux, c'est lever, prier. Certaines mamans, certaines n'en ont pas le temps, non plus la force là. Mais toi, la jeune fille, c'est toi qui dois prier pour ta mère. Père, tu as encore la poigne. Tu as encore la force physique. Tu dois prier en bougeant. Tu dois chanter la louange en sautant. Ce n'est pas ta mère qui le fera pour toi. Tu as compris quoi? Tu as compris? C'est pas un clash. Je t'apprends seulement quelque chose. Que ne crois pas que comme tu as dit le mot là, ça gêne les orphelines comme nous. Non. Parce qu'une orpheline a eu la grâce, l'honneur, la gentillesse, la bénédiction d'enterrer sa maman. Tant que ta mère vit, tu ne sais pas qui va enterrer l'autre. Donc, cache-toi. Ne dis plus jamais ça. Quand elle parle de ma mère, ça frustre les autres, ça choque les autres. Je ne sais pas l'orthographe, le verbe que tu as utilisé. Ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Moi, en tant qu'orpheline, je me sens plus bien que celui qui a la mère. Si elle veut le porc épique, on m'envoie le porc épique. J'appelle Suzy. Elle me sort un bon porc qui pique à l'emballe et m'envoie. Si je veux n'importe quoi au pays, j'appelle la grand-mère de ma fille. Elle m'envoie ça. C'est-à-dire que elle prépare, elle m'avait envoyé. Donc, on a les mamans partout. Tu as compris? J'appelle ma meilleure copine, la banquière. Elle me fait les rideaux. Elle repasse, maman de m'envoyer. Tu as compris? Donc, ne dis plus jamais ça. On n'en vit pas ceux qui ont les mamans. On prie plutôt qu'elles aient la même grâce que nous d'enterrer leur maman comme nous on l'a fait. Tu as compris quoi? Parce que quand vous vous moquez souvent, que tu n'es même pas enterré ta mère peut tomber là, elle daille. Toi tu es à l'hôpital, tu n'as pas la possibilité d'aller l'enterrer. Rien n'est acquis. Ta mère peut tomber là, elle daille. Le médecin te dit que madame, vous pouvez pas prendre l'avion. Je suis désolée pour vous. Rien n'est acquis. On lit tous l'heure. Donc, ne nous fatiguez pas. Ok, je vais m'arrêter là. On va mettre nos louanges. On va mettre nos louanges. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas les louanges, la prière. L'eau avec le sel. Quand on ne vous trompe pas, ça donne. Merci à tous et bonne fin. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année à tous. Merci beaucoup.